الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله. Donc soyez les bienvenus à ce café débat organisé par l'UFCM, Union française des consommateurs musulmans, donc intitulé « Musulmans, l'État s'empare du halal ». Alors, du halal dans le sens de l'alimentation halal au niveau des produits carnés. Ce café débat, il fait suite à un événement qui s'est produit fin août. C'est donc l'AFNOR, on en parlait tout à l'heure, qui a défini une norme du halal. Alors, on sait depuis plusieurs années maintenant, les industries agroalimentaires se sont emparées de ce marché alimentaire, que ce soit au niveau des céréales, au niveau de la viande. Et on connaît les dérives qui s'en sont suivies au niveau de la maltraitance animale, de l'exploitation, de la déforestation, puisque tous ces animaux qui sont consommés, il faut les nourrir, bien sûr. Et donc, on a exploité des hectares et des hectares de soja et d'autres. Je pense que vous avez tous entendu parler de la déforestation de l'Amazonie, par exemple. Donc, ce sont toutes ces terres qui auraient pu nourrir des humains, mais qu'on utilise pour nourrir du métal. La maltraitance, l'abattage à la chaîne, dont d'ailleurs les industriels de l'automobile se sont inspirés. Bien sûr, nous, en tant que musulmans, notre éthique, elle ne va pas dans ce sens-là. Mais malgré ça, nous, musulmans, on est devenus un marché également, au niveau pour ces industriels. Et, alors que notre rite, il doit justement préserver un message, ce message divin, qui à travers la création, nous permet de nous rappeler de Dieu. Alors il y a eu ici en France, il y a eu des certificateurs plus ou moins sérieux qui se sont mis en place pour certifier si la viande était halal. Vous avez dû entendre également parler de plusieurs arnaques. On a trouvé du porc par exemple dans des produits dits halal. On a certains certificateurs, je vous le disais tout à l'heure, moins scrupuleux, ne sont pas quasiment pas présents dans les abattoirs et mettent quand même leur tampon sur cette viande. Et à ce moment-là, il y a l'AFNOR, donc c'est l'association française de normalisation qui s'occupe de tout type de produits, qui va certifier si ça peut aller des canalisations, je ne sais pas, de la robinetterie, etc. Et qui se sont, donc à la demande des industriels, de certains lobbies, se sont emparés de cette norme halal, pour pouvoir non seulement certifier des produits pour la consommation française, et également pour exporter vers les pays musulmans. Au départ, je pense que Yamin nous en reparlera, ou Félix tout à l'heure, il y avait une commission qui s'était réunie au sein de l'AFNOR avec les organisations musulmanes. Mais lorsque les organisations musulmanes se sont rendues compte que c'était des industriels qui imposaient leur vue, eh bien, elles se sont retirées. Malgré ça, la commission a continué à travailler. Et fin août, ils ont mis en place une norme. Et en plus, ils se sont permis de mettre que les associations musulmanes étaient signataires, alors que ce n'était pas vrai. Là, d'ailleurs, pour la première fois, pour une des rares fois, l'ensemble des organisations musulmanes se sont mises d'accord avec des communiqués, avec des condamnations. Vous avez peut-être vu celle de la Grande Mosquée de Lyon, par exemple. Et cette norme, le problème, c'est qu'elle certifie des produits comme étant halal, alors que ce sont des produits, elle s'occupe seulement de ce qui se trouve après l'abattage. Donc les produits transformés, maintenant on va dire que c'est halal. Donc là, ça pose un gros problème à ce niveau-là. Et une fois de plus, les musulmans se trouvent dépossédés de leur rite, marchandisés. Voilà, il y a une marchandisation qui se met en place. Tout comme par exemple le pèlerinage à la Mecque, on sait qu'il y a des agences de voyage qui se permettent des choses. Donc nous ici à l'UFCM, bien sûr, on condamne ça, on le dénonce,
Et l'un de nos objectifs, c'est de sensibiliser les consommateurs par rapport à ça. Alors, pour ce café débat, on a invité Félix Jourdan, qui est universitaire en sociologie, qui nous vient de la région de Toulouse, et qui a beaucoup travaillé sur les rites, l'abattage rituel, et au-delà d'ailleurs, donc qui s'est rendu sur le terrain, et qui a écrit plusieurs articles par rapport à ça. Et Yamin Macri, qui est conférencier, et qui est aussi éditeur, et qui a également étudié la question. Voilà, donc pour ce café débat, on va laisser vraiment la parole au public. Hein. On va laisser nos deux intervenants faire une petite présentation. Et après, bien sûr, vous pourrez poser vos questions ou rapporter vos précisions. Je vais donner la parole d'abord à Félix Jourdan. Juste une petite précision. Donc, comme vous le savez, ici, dans ces locaux, on a des frais, etc. On a mis une buvette à disposition. Donc, tout à l'heure, on vous invite à déguster ce buffet. Tout d'abord, je voudrais remercier l'UFCM de m'avoir invité à ce café débat. Moi, je ne vais pas rentrer dans tout le débat interne à l'élaboration de la norme affinante, parce que je ne maîtrise pas la question de comment elle s'est construite, quels ont été les différents acteurs, etc. etc. Et par contre, je voulais juste faire une petite réflexion sur la norme en elle-même, pas sur le contenu de la norme, mais sur la question de la normalisation en elle-même, en prenant l'exemple du bio, de l'agriculture biologique. Alors je vais m'appuyer en fait sur cette courte présentation, sur un article d'universitaires qui ont travaillé sur cette question-là. Alors, pour citer, hein, parce que je vais m'appuyer essentiellement là-dessus, c'est un article de Beaumémont, Fouilleux, Lemeyer, Leconto, intitulé « L'agriculture biologique en France entre projet critique et conventionnalisation ». Alors, les auteurs, qu'est-ce qu'ils mettent en évidence ? Ils mettent en évidence que les fondateurs du mouvement bio, l'agriculture biologique au sens large, au début du XXe siècle et au milieu du XXe, ils avaient en gros deux démarches. Quoi. Il y avait une première qui était de mettre en œuvre des techniques agricoles naturelles, qui rentraient plus dans le cadre d'une agriculture paysanne traditionnelle. Et au-delà des aspects techniques pratiques, il y avait une remise en cause, on va dire, du global du modèle agricole dominant, où on voit le développement, puisqu'on est dans les années 50-60, donc il y a vraiment l'industrialisation de l'agriculture qui est en train de se développer, de s'intensifier. Et on voit donc en France, par exemple, dans la fin des années 50, on a ce qu'on appelle le GABO qui est créé. Le GABO, c'est quoi? C'est le groupement d'agriculture biologique de l'Ouest, et qui va être transformé plus tard en une autre structure qui s'appelle l'AFAB, qui est l'Agence française d'agriculture biologique. Puis il va y avoir une scission en interne, et de cette scission va naître une association qui existe toujours aujourd'hui, qui s'appelle Nature et Progrès, qui naît en 64, et qui est un label, qui est aussi un cahier des charges, etc., un label d'agriculture biologique. Et c'est la base, les travaux de Nature et Progrès, autant le cahier des charges qu'ils ont rédigé que la posture, les principes, les idées qu'ils véhiculaient, ça a servi en fait de base à la construction, à la création du label ADO en France, qui était, je crois, dans les années 90, il a été reconnu par l'État, il a été adopté. Mais ce qu'on constate, c'est qu'à cette époque-là, l'ensemble des acteurs qui sont impliqués dans l'agriculture biologique, ils partagent des principes communs, ils partagent une vision du bio, de ce qu'est le bio, au-delà des aspects techniques qui sont vraiment donc centrés sur la réduction des pesticides, des produits chimiques, etc. Il y a tout un aspect, une vision sociétale, une vision globale, et une critique du capitalisme, une critique de la société de consommation, etc. Et cette critique du capitalisme s'articule autour de trois points principaux, on va dire. Tout d'abord, les liens entre modes de production, alimentation et santé, donc les répercussions des modes de production, on va dire, industriels sur l'alimentation et la santé.
l'autonomie des agriculteurs et la question de l'indépendance des agriculteurs. Et enfin, la préservation des ressources naturelles et toutes les questions écologiques qui sont liées. Et Nature et Progrès, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'ils possèdent au cœur de leur projet une critique du productivisme, du consumérisme, et ils font la promotion de différentes valeurs telles que l'autonomie, la sobriété énergétique, etc., la sobriété, on parlait de sobriété heureuse, un peu de, je crois que c'est la sobriété heureuse, je ne sais plus. De Pierre Rabhi, c'est un peu le même esprit, la proximité dans les échanges, tous ces aspects-là. Mais avec l'institutionnalisation de la bio, ce que les auteurs y mettent en avant, c'est que les aspects, on a gardé uniquement les aspects écologiques, et toute la vision globale, sociétale, elle a été finalement marginalisée, elle a été un peu évacuée. Donc on s'est concentré en fait sur la réduction des intrants chimiques, la réduction des pesticides, ces choses-là, qui ont des dimensions vraiment techniques, et le sens du bio, les principes fondateurs, l'état d'esprit, il a été un peu marginalisé. Et finalement, ça aboutit à quoi? Donc c'est ce que mettent en évidence les auteurs, c'est que le bio a été réduit à une norme, un cahier des charges avec un nombre de critères à respecter, et l'objectif n'a pas plus forcément de en tout cas pour certains, en tout cas pour le label bio, on va dire, une perspective économique, c'est pas forcément d'impulser une transformation de la société, mais plus de conquérir des nouveaux marchés, de permettre l'extension du marché des produits bio. Alors pourquoi je cite ça? Parce que cet exemple, en fait, il est intéressant à mettre en parallèle de la question du halal. Pourquoi? Parce que c'est l'inverse, en fait, du mouvement bio. C'est-à-dire que il n'y a pas eu, en tout cas, donc pour le halal, il n'y a pas eu un regroupement d'acteurs musulmans, religieux, associatifs, professionnels, etc., qui se sont réunis et qui ont pensé, qui ont défini, qui ont organisé le halal. C'est le halal, il est né parce qu'il demande de viande liée à la sédentarisation des populations immigrées dans les années 80-90. Et à la fin des années 90 et au début des années 2000, les industriels ont commencé à s'intéresser, parce qu'il y avait une question de crise sanitaire aussi, de diminution de la consommation de viande. Et ils se sont dit, on va peut-être s'intéresser à d'autres marchés qui, eux, voient que les consommateurs ont une appétence pour la viande et que il y a un potentiel économique qui est très intéressant. Donc ils se sont penchés sur le marché du halal. Donc on voit effectivement que le halal, c'est d'abord un concept industriel avant d'être une qualification religieuse. Ça c'est mis en avant notamment par les travaux de Florence Berger-Blackler. Et les acteurs musulmans, ils ont réagi à cette appropriation. Mais comment est-ce qu'ils ont réagi? En fait, ils ont réagi par la certification et par la norme. Donc, dans les années 90, c'est là où sont nés les organismes de certification. Et la démarche, ça a été de mettre en place, un peu dans la perspective de l'agriculture biologique, entre guillemets, industrielle compatible, c'est-à-dire de mettre en place des cahiers des charges, des normes, des standards, des procédures, etc., pour apporter, on va dire, pour une traçabilité des produits halal. Mais finalement, dans ces cahiers des charges là, il n'y a pas dans ces cahiers des charges là, c'est vraiment un ensemble de dimensions technico-juridiques. Il n'y a pas une vision sociétale, une vision de transformation de la société. On reste vraiment sur du pratico-pratique. Donc il n'y a pas vraiment dans la démarche de différence entre les premières organisations, les actions vraiment de certification halal et la certification industrielle, on va dire, de produits biologiques. Il n'y a pas une divergence de fond, il y a juste une divergence de forme sur le contenu du cahier des charges. Mais l'ensemble des acteurs, on va dire, ils sont d'accord sur la nécessité de créer une norme. Or, c'est là où peut-être se poser la question de ce à quoi pourrait mener une normalisation du
halal. Parce que comment est-ce qu'on peut codifier un état d'esprit, une vision sociétale, des principes, une vision globale d'un rapport à la nature, d'un rapport, voilà, si on s'inscrit dans une démarche où on considère que le halal c'est plus large qu'une simple technique d'abattage, quelle légitimité a de créer une norme? Pourquoi créer une norme? Quel est l'intérêt? Parce que c'est forcément quelque chose de très technique et de réducteur. Et puis, ça c'est une première dimension. Puis la deuxième, pourquoi créer plutôt à quoi mènerait la création d'une norme, d'une norme halal? Il y a un phénomène aussi, bon là on est peut-être dans une question religieuse et je ne suis pas compétent sur le domaine, mais il y a un risque aussi de normaliser une vision juridique du halal. C'est-à-dire que, est-ce qu'il n'y a pas un risque, je pose la question, de fermer la porte à l'ijtihad, donc à la réflexion juridique, parce que si j'avais bien lu, Yannou, tu pourras peut-être confirmer, sur la charte du CFCM qui avait été rédigée, que c'était donc la sortie de la divergence qui était privilégiée, donc on prenait les avis les plus stricts pour englober tout le monde. C'est pour ça le... Non. 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 D'accord. Ok. Ça, c'est plutôt la politique AVEX, et pas de la charte. Oui, la charte s'inspire beaucoup de AVEX. Ouais, d'accord, parce que j'avais lu ça en fait, c'est pour ça. Ok, très bien. On va le deuxième point. Avec le Félix, donc vous pourrez poser vos questions tout à l'heure à Félix. Voilà, donc ce qu'on retient, c'est donc la norme, elle risque d'éclipser en quelque sorte l'état d'esprit. C'est comme le bio, par exemple, en Espagne, voilà, ils produisent du bio, mais ils exploitent les sans-papiers, les gens qui sont trop mal payés, qui sont. Voilà. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله. Alors, pour aller dans la continuité de ce qu'a dit Félix, effectivement, la question de la norme et de l'AFNA, en fait, c'est une question qui concentre à la fois de différentes problématiques. C'est pour ça qu'elle est, en ce qui concerne l'UFCM, c'est vraiment une question qui est centrale, qui est importante. Au-delà de la question de la viande, de l'alimentation, et parce que à travers cette question-là, vous avez tout à la fois. Vous avez le traitement islamophobe de la communauté, vous avez le traitement différencié d'une communauté par rapport à l'autre, vous allez voir que par rapport aux juifs, on ne se comporte pas de la même manière que par rapport aux musulmans. Vous avez la trahison des principes laïques, vous avez la loi de l'argent qui domine tout, qui domine même des questions, même des référents qui sont des référents communs qu'on considère comme la laïcité, etc. Maintenant, c'est trahi, tout est trahi. Vous avez la question éthique, la question de la marchandisation de la vie, où on ne voit plus aucune considération. En fait, vous avez la question de l'intégration des musulmans et de leur culte dans un système. C'est ça la FNUR. La FNUR, en fin de compte, elle nous demande d'intégrer un système de normalisation, de marchandisation, qui est un système de surproduction, de production industrielle, qui se base sur le fait qu'on donne des règles, c'est-à-dire un produit, il faut l'identifier pour qu'il soit marchandisable. C'est ça la normalisation. Vous savez, la norme, c'est, dans un système marchand, c'est fondamental. Comment on peut comparer deux marchandises? Comment on peut donner un prix à une marchandise par rapport à une autre marchandise? Comment on fait? Alors, on établit une norme. Je considère que c'est un stylo, que si il a cette propriété, il faut qu'il soit ça, il faut... S'il n'a pas cette propriété-là, c'est plus un stylo, ça s'appellera autrement. Donc je pourrais lui donner un prix différent. Donc la normalisation des produits, c'est fondamental. C'est pour ça que le système de normalisation, c'est fondamental pour les industriels. Et normalement, logiquement, dans les assemblées de la FNOR, hein, où... Donc toutes ces assemblées de normalisation, soit au niveau européen, au niveau français, ce sont surtout les industriels qui siègent à l'intérieur. Parce que ça a des conséquences énormes. Hein?
ils construisent, ils produisent des marchandises, des produits, et c'est de là que va se décider si ta marchandise est valable ou pas. C'est de là que ça va décider si on peut la comparer à une autre marchandise, si elle est concurrentielle à autre chose, parce que effectivement, d'après la norme, c'est considéré comme un produit qui peut être vendu en Europe, qui peut être ça, qui correspond aux critères, etc. Donc la logique de la normalisation, c'est une logique de la marchandisation. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que quand les gens se réunissent, derrière ça, il y a des intérêts qui sont énormes. En ce qui concerne le halal, ce qu'on a appris, c'est qu'en fin de compte, ça n'a pas été une demande réellement des industriels. Ça a été une demande du ministère des Finances. Une demande non officielle, hein, mais ce qu'on apprend apparemment à partir des gens qui ont participé à la FNOR, c'est une demande étatique, hein, qui répond certainement à un besoin des industriels. C'est une... Ce qui est, quand on critique le procédé, on dit que la FNOR est tout le processus, parce que ce n'est pas une norme, hein, c'est une norme expérimentale. Ce qu'ils ont mis au point, c'est une norme qui est expérimentale, elle n'est pas validée encore, elle est en cours de validation, ils espèrent la valider donc, par la suite. L'UFCM était membre de la commission. En tant qu'association de consommateurs, on n'était pas la seule, avec Acidcom, on était les deux organisations de consommateurs musulmans, on était membres à l'intérieur de cette commission. Ce qui est impressionnant, c'est que dès le début des travaux, parce qu'au début c'était une commission qui devait s'intéresser aux produits du culte, pas que le halal, même le kasher. Tout de suite, la communauté juive et ses représentants ont mis un bémol en disant « ça n'est pas votre affaire, ça ne vous concerne pas ». Et ça a été accepté. Ça a été accepté et ils ont continué avec les musulmans. Deuxième point qu'il faut savoir au niveau de la FNOR, c'est que les organisations, il y avait certaines organisations qui étaient membres du CFCM, qui étaient membres de cette commission-là, automatiquement, tous ceux qui ne sont pas industriels n'ont qu'un pouvoir consultatif, c'est-à-dire qu'ils ne décident de rien. On est membre de la commission, mais on ne vote pas, notre vote ne compte pas, on n'est que consultatif. Deuxième point. Troisième point, mais c'est aberrant, c'est une norme sur le halal, mais qui ne va pas s'intéresser à l'abattage halal. Il va s'intéresser uniquement à la transformation du produit considéré comme halal. Nous, ce n'est pas notre affaire, on s'intéresse uniquement à la manière dont on transforme le produit. C'est-à-dire, on va vous faire des steaks hachés, hein, la viande hachée arrive, etc. La manière de faire le steak, etc. On va vous faire de la charcuterie, la matière première va arriver et on va faire de la charcuterie. On ne s'intéresse pas à l'abattage. Pourtant, on utilise le mot halal. C'est une norme halal, H-A-L-A-L. C'est ça le pire. Mais on ne s'intéresse pas à l'abattage. Quatrième point, c'est pour savoir c'est une gestion coloniale. C'est impressionnant comment on peut se comporter avec une communauté qu'on considère que tout est permis. Quatrième point, quand la totalité des organisations musulmanes décident de suspendre leur participation aux réunions d'AFNOR, ils se permettent de signer les rapports de réunion, de signer à notre place. Donc voilà dans quoi on est, c'est l'aberration, c'est-à-dire que si on faisait 1% de cela à la communauté juive, ce serait un scandale monumental. Mais pour les musulmans, on se permet, on est dans la continuité de la gestion coloniale des populations musulmanes et même de leur culte. On est dans ces continuités-là, il n'y a pas de... Et on est dans ces continuités aussi de trahir les valeurs qui devraient nous rassembler. Parce que le halal, c'est évidemment religieux. Le halal, déjà, le mot, il est clair, c'est évident. Donc c'est une question qui est une question culturelle, religieuse. Qu'est-ce qu'un organisme, même s'il n'est pas étatique, il n'est pas étatique, là, mais para-étatique, comment un organisme peut se prononcer sur une affaire qui est basée sur le culte. Comment dans un pays qui considère qu'on doit séparer le culte, le religieux, avec toutes les instances étatiques, c'est-à-dire que l'État n'interfère pas dans le religieux,
et les représentations religieuses du culte n'interfèrent pas dans les affaires de l'État. Comment un pays qui a prononcé depuis 1905 la séparation stricte entre ces deux entités peut se permettre de débattre, de discourir et de légiférer, entre guillemets, hein, sur une question qui est éminemment spirituelle, éminemment culturelle? Comment c'est possible? Et ça, c'est possible. C'est possible quand on est dans la loi de l'argent. Et en fin de compte, ce que pose cette logique, en fin de compte, il y a trois problèmes. Trois problèmes fondamentaux auxquels même nous avons notre manière de gérer le halal, nous avons un vrai problème aussi. Le premier problème, c'est la question de l'éthique. C'est à que. Pourquoi la production des viandes est un véritable problème? Pourquoi, quand vous allez dans des organisations écologiques, quand on vous pose la question, quelle est la question centrale qu'il faudrait débattre, etc., beaucoup diront la surconsommation des viandes. La surconsommation des viandes, c'est un véritable problème. Un véritable problème. C'est un problème d'abord éthique et religieux. On ne peut pas considérer un être vivant comme une marchandise. Ça, c'est l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il nous dit, quand un animal, ne lui montrez pas le couteau, ne mettez pas un animal qui a été abattu à côté d'un animal encore vivant, ne lui faites pas sentir le sang, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire qu'en islam, on considère ce qu'on appelle des bêtes, hein, ce qu'on appelle des animaux, comme des êtres sensibles. Et un être sensible, ça ne peut pas être une marchandise. On ne peut pas se comporter avec un être sensible comme on se comporterait avec des chaises, des tables, etc. Ou avec des... Ça, c'est fondamental. La manière dont on transporte les bêtes, hein, au niveau des volailles, par exemple, où une grosse partie sont déjà mortes avant d'arriver à l'abattoir, du fait du transport, etc. La manière dont on les charge dans les camions, la manière dont on les décharge, la manière dont on les abat dans les abattoirs, ça, c'est pas tolérable. C'est pas possible. L'abattage en masse, avec les cadences effrénées qu'on a dans les abattoirs, pour nous, ce n'est pas tolérable. Éthiquement, ce n'est pas tolérable. Techniquement, l'abattage peut être halal, on respectera ce que techniquement le juridique nous commande, mais il est évident que cette manière de se comporter avec du bétail, avec les animaux, avec les bêtes, ce n'est pas tolérable. Ça, c'est un véritable problème, parce que dans la logique économique, dans la logique industrielle, et dans la logique marchande, un bœuf, une vache, une poule, ce sont des protéines sur pâte. C'est tout. Ce ne sont pas des êtres sensibles. La manière... Vous savez, je le répète encore une fois, les premiers grands abattoirs industriels sont les abattoirs de Chicago, aux États-Unis. Ils ont été l'inspiration du travail à la chaîne. C'est-à-dire le premier lieu de production industrielle depuis la révolution moderne et technologique, le premier lieu où on a commencé à faire un travail systématique, c'est à systématiser, etc., où on comptait le temps, etc., ça a été d'abord les abattoirs. Quand on a commencé à mettre en place le travail à la chaîne pour construire des voitures, on s'est inspiré des abattoirs de Chicago. Et pour dire plus, quand ils ont mis en place les chambres, les chambres à gaz sous Hitler, hein, et sous le Troisième Reich, quand ils ont mis en place ces chambres, ils se sont inspirés de la production et de la systématisation des abattoirs de Chicago. C'est-à-dire qu'il faut savoir, c'est ça, c'est que le premier lieu où on a commencé à faire cette production industrielle et systématique, où on n'a aucune considération sur le vivant, ça a été d'abord les abattoirs, et c'est ce qui cause le véritable problème. Même si, en vérité, la question se poserait même en dehors des êtres vivants, des êtres sensibles, on pourrait se poser aussi. Mais ce qui est le plus flagrant, qui est insupportable pour nous musulmans, vu le nombre de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit comment abattre un animal avec toutes les précautions qu'on doit avoir, pour nous, la manière dont c'est abattu dans les abattoirs, c'est pas tolérable. C'est pas tolérable. C'est-à-dire qu'il y a un véritable problème entre industrialisation et surconsommation et halal. Il y a une incompatibilité. Donc il y a un vrai problème. C'est pour ça que ça fait débat. Après, il y a le deuxième problème
Donc, j'ai parlé déjà, c'est la question de l'industrialisation et de la surconsommation, la surproduction et la surconsommation. Ça, on en a parlé plusieurs fois ici. C'est un véritable problème. Comment peut-on accepter que dans les pays du Nord, c'est-à-dire nous, on meurt du cancer du côlon, entre autres, à cause de la surproduction de viande, de la surconsommation de viande, pendant qu'en même temps, on est en train d'affamer les populations du Sud, parce qu'on est en train de déforester, et parce qu'on est en train d'utiliser les terres, on est en train d'utiliser les terres cultivables uniquement pour produire ce que ces bêtes doivent, pour produire les céréales, qu'on va servir à nourrir les bêtes. Comment peut-on accepter que 80% des surfaces cultivées en France servent à la production de céréales destinées à l'alimentation des bêtes? Comment peut-on accepter ça pour que des gens surconsomment des viandes pour tomber malades et pour affamer d'autres gens qui n'ont plus les céréales nécessaires? Ça, c'est un véritable problème. Et puis le troisième problème, la question éthique, la question industrielle, et le troisième problème qu'on pose, c'est la question politique. La question politique, parce qu'actuellement, ce qui se passe, comme d'habitude, on utilise les musulmans et la communauté musulmane et des problèmes spécifiquement à la communauté musulmane comme un leurre. C'est-à-dire, on ne veut pas parler de la question des abattoirs. Quand les organisations de protection animale arrivent à tirer des images de ces abattoirs-là pour dénoncer la manière dont on se comporte vis-à-vis des animaux dans ces abattoirs-là, parce que c'est quelque chose d'intolérable, une personne qui vit ces abattoirs-là, qui voit ça, ne mange plus de viande. Si vous voyez comment on abat la volaille et la cadence, comment on se comporte, vous ne mangez plus de volaille. C'est pas tolérable. La volaille, c'est le pire. Et c'est la viande la plus consommée avec le porc. Et c'est le pire. C'est ce qu'il y a de plus immonde. Vous visitez ça, vous rentrez dans les abattoirs, vous voyez ça. D'ailleurs, c'est simple, les abattoirs, on n'entre plus. Hein, vous avez un badge, on laisse plus rentrer les gens dans les abattoirs parce qu'on sait bien quel effet ça va avoir sur les consommateurs. Et quand les organisations de protection animale arrivent à sortir des images, c'est un grand événement. Donc, je ne sais plus de... La question politique, c'est ce leurre. Ça veut dire qu'on concentre les esprits sur la question du halal, sur la question de la maltraitance, de l'abattage du halal qui existe. Parce que quand le halal, il est produit dans un contexte industriel, ben les bêtes sont aussi maltraitées quand ce n'est pas du halal. Il n'y a pas de différence. Hein. Quand on est dans la logique industrielle, que ce soit halal ou pas halal, à la rigueur, on limite les dégâts, parce que si on refuse l'abattage mécanique, si on refuse l'électronarcose, ça oblige les industriels à diminuer la cadence. Est-ce que tu peux expliquer? Non, l'électronarcose, c'est le fait d'électrocuter les volailles, pas que les volailles d'ailleurs, mais le plus important, c'est les volailles, on les électrocute pour que l'abattage se fasse à la chaîne, se fasse d'une manière avec une cadence très rapide. Donc on les fait passer dans un bain, donc ils sont pendus par les pieds. On les fait passer dans un bain où on fait traverser de l'électricité à l'intérieur. Elles sont électrocutées, parfois elles sont mortes, parfois elles sont assommées. Donc avant même qu'il y ait abattage, certaines sont déjà mortes. C'est pour ça que la quasi-totalité des savants considèrent maintenant, avant non, mais maintenant qu'ils ont eu l'information, considèrent que l'électronarcose n'est plus halal. C'est parce qu'une bonne partie des bêtes sont déjà mortes. Et après, ça passe avec une scie circulaire qui abatte les bêtes. Donc pour que la scie circulaire, quand vous avez les bêtes qui avancent comme ça, pour que la scie circulaire puisse réellement abattre les bêtes au niveau du cou, il faut que la volaille ne bouge pas. Pour pas qu'elle bouge, il faut la semer. Pour la semer, il faut l'électrocuter. Et c'est ce qui permet d'avoir des cadences d'abattage énormes, c'est-à-dire une rentabilité. Donc, c'est une question d'argent, une question de productivité, de rentabilité. Donc actuellement, ça, pour un industriel, lui demander d'arrêter l'électronarcose, c'est un énorme sacrifice. C'est un énorme sacrifice. Parce que c'est la cadence, elle est réellement ralentie dans le monde. Et je vous dis, actuellement, c'est ça, c'est le leurre, c'est qu'on met en avant la question du halal, parce qu'on met en avant la question du musulman, donc on développe cette sapophobie, et c'est facile. Et d'ailleurs, beaucoup d'organisations de protection animale savent que ça marchera mieux si on parle des musulmans. Si on veut parler de la défense des animaux, parlons des musulmans, parce que là, ça passe bien, vous savez tout le monde, on va dans le sens du courant, t'as. Mais on ne développe pas un discours, même si certaines organisations de protection animale le font, mais c'est moins audible, on ne développe pas un discours sur la question fondamentale. Il n'est pas possible de se comporter correctement avec les animaux avec une production de masse, donc avec une consommation de masse. La consommation des viandes ne peut être qu'exceptionnelle.
comme elle l'a toujours été dans l'histoire de l'humanité. La consommation de viande, on ne consomme pas de la viande tous les jours, matin et soir. Ce n'est pas possible. La surconsommation de viande implique une consommation de masse. Une consommation de masse implique une production de masse. Une production de masse implique une maltraitance animale. C'est très clair. C'est une logique. Donc il faut remettre en cause carrément cette logique de surconsommation et remettre en cause la production industrielle. Ce n'est pas possible. Il faut revenir à des productions où il y a des rapports directs entre consommateurs et producteurs. Il faut revenir avec un mouvement qui s'appelle la ferme. Comment ça s'appelle, Félix? La ferme à l'abattoir ou l'abattoir à la ferme? L'abattoir à la ferme. L'abattoir à la ferme. Ouais. C'est plus logique. Ouais. La ferme à l'abattoir, c'est plus logique. Voilà. Ou maintenant, vous avez des éleveurs qui refusent de ramener leurs bêtes à l'abattoir. Dis-moi, c'est une bête que j'ai élevée, etc. Et tout. Il y a quelque chose qui s'est créé entre la bête. Il est hors de question que je l'amène dans ce lieu-là. Et il demande actuellement, parce que la loi l'interdit. Il demande maintenant qu'on ait des autorisations pour qu'ils puissent abattre leurs bêtes dans leur ferme, hein, d'une manière plus humaine, hein, si ça peut se dire. C'est-à-dire qu'on les abatte dans la ferme et non plus dans ces centres-là qui sont des centres immondes. Donc la question politique, elle est fondamentale, parce qu'on utilise le climat islamophobe pour détourner l'attention. Et la question politique, elle est aussi, elle est double, elle est sur ce point-là. Il y a un second point, c'est qu'actuellement, vu que le marché du halal, pas qu'en France, mais surtout à l'exportation, parce que le marché qui est en train d'exploser, c'est en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, c'est ça. Les marchés qui explosent actuellement, parce que la consommation de viande, et heureusement en Europe, aux États-Unis un peu, mais surtout en Europe, elle commence à baisser ou à stagner. Donc, les seuls marchés où il y a une explosion de consommation, c'est l'Afrique du Nord, ce qu'on appelle le MENA, Afrique du Nord et Moyen-Orient, et la Chine. Mais la Chine, le problème c'est que la Chine importe peu parce qu'elle produit beaucoup. Donc, les gros marchés d'importation, donc les marchés qui intéressent des pays comme la France, qui sont des pays de grosse production, le gros marché importateur, c'est l'Afrique du Nord et c'est le Moyen-Orient. Donc c'est pour ça que la question du halal, la manière de normalisation du halal, c'est pas une question franco-française. C'est vraiment des industriels qui lorgnent sur ces marchés-là, qui sont les marchés d'avenir. Des marchés où on produit très peu, on importe énormément. Donc il y a une question de la question politique, et la question politique elle est aussi fondamentale, c'est sur la question de la laïcité, c'est la question de la séparation du culte et du politique et de l'État. C'est-à-dire comment un État peut légiférer sur cette question-là? Comment une organisation para-étatique comme la FNOR, ou bien une commission comme le CEN, Commission européenne, qui sont des commissions qui appartiennent à l'Union européenne, comment ces commissions-là peuvent se réunir et décider d'une norme? Alors que, comme disait Félix, la question du halal a toujours été une question qui a été débattue. Il y a des divergences. Jusqu'à maintenant, il y a des divergences. Même si là, par exemple, si la quasi-totalité considère que l'électronarcose est interdite, il reste une ultra-minorité qui peut l'accepter, etc. Il y a des pays qui l'acceptent. Donc il y a divergence. Pourquoi voulez-vous mettre une norme? Pourquoi voulez-vous ça? Alors que nous, en islam, la diversité de positions juridiques a toujours été notre culture. On a toujours géré la diversité. On n'a jamais eu des instances qui venaient et qui disaient du haut, ceci est la vérité infuse. Les savants entre eux discutaient, débattaient de leurs divergences. Pourquoi, pour des raisons d'argent, de fric, de production, de marchandisation, voulez-vous qu'une structure non musulmane puisse décider sans les musulmans ce qui est halal, ce qui ne l'est pas? C'est intolérable et on ne pourra jamais accepter. Voilà, donc on va, comme c'est un café débat, on va vous laisser la parole si vous avez des questions par rapport à ce qui a été dit, des remarques. Donc là, on va bien écouter la ligne sur le sens du halal, sur la diversité des positions qu'on retrouve en islam. Et comme on peut faire un parallèle, par exemple, sur la prière également, on sait qu'on a certains, parfois, des personnes qui disent non, mais la prière c'est comme ça, c'est de telle manière, alors qu'on sait très bien qu'il y a plusieurs écoles au niveau des gestes dans la prière, etc. Donc c'est des choses qu'on retrouve un peu partout. Pourquoi ils veulent mettre en application cette nouvelle loi?
Pourquoi il veut la mettre? Oui. On ne sait pas. Un projet. C'est qu'un projet, en fin de compte, c'est... j'ai l'impression que c'est plus un test pour voir comment nous allons réagir. Voilà. Et puis voilà, s'il n'y a pas de réaction, on va la faire passer. Ils travaillent sur des tests. D'accord. Donc, s'ils imposent cette réglementation-là, ça veut dire que les autres certifications n'existeront plus, c'est ça? Vous les supprimez? À terme, oui. À terme, oui. C'est l'objectif. Vous savez, actuellement, beaucoup de, en ce qui concerne par exemple la volaille, beaucoup de producteurs ou de producteurs du viande halal maintenant vont à l'étranger parce que beaucoup de centres où on abat, en particulier la volaille, qui est le véritable problème, c'est la volaille, beaucoup refusent maintenant de retirer l'électronarcose. De plus en plus d'abattoirs, il y a des pressions au niveau de l'État pour obliger les abattoirs à appliquer l'électronarcose. Et de plus en plus d'industriels musulmans, ou non musulmans d'ailleurs, mais qui sont intéressés par le marché halal, et qui veulent avoir un produit qui est crédible, donc c'est-à-dire sans électronarcose, sont obligés d'aller dans les pays de l'Est, ou même en Belgique. Parce qu'en France, on est en train de, petit à petit, de faire en sorte que tous les abattoirs appliquent l'électronarcose. Donc ça veut dire que l'assommage avant l'abattage. Ce qu'eux, ils appellent l'assommage, hein. Vous savez, on est dans le monde de la même façon des mots. Ils disent assommage, alors que les tests ont été faits, on sait bien que certaines bêtes ne sont pas assommées, elles sont tuées. Et au-delà de ça, en fin de compte, c'est vrai, c'est un vrai sujet, parce que bon, c'est du GIFA, hein. L'animal a été électrocuté, elle est morte, et après on l'égorge, on va nous faire croire que c'est halal. Mais au-delà de ça, ça pose réellement le problème de ce système. Au-delà de ça, même sans électronarcose, il y a un véritable problème dans le réel. C'est-à-dire, moi, la position extrême des gens qui refusent de manger de la viande, on la comprend quand on visite les abattoirs. Quand on visite les abattoirs, tu comprends cette position. Même si dans nos références religieuses, il n'y a pas d'interdiction de manger des viandes. Nous, on la comprend. En tout cas, ça nous pousse réellement, au moins, au minimum, à diminuer nos consommations de viande. Alors, je crois qu'il y avait du frère juste avant. Un petit rajout. Non, c'est juste que. Moi, je ne suis pas convaincu que ce soit que les abattoirs soient des lieux où. Ce soit des lieux où ce soit de la barbarie à la chaîne. Moi, franchement, je ne suis pas persuadé de ça. Se pose la question du sens, oui, ça c'est sûr. Parce que c'est quoi le sens de tuer, que ce soit 6500 poules à l'heure, que ce soit. Que ce soit 10 000, 15 000, le problème de fond reste le même, c'est la question du sens. Après, la question de la maltraitance, elle existe, oui, il y a des cas dans les abattoirs. De là à dire que c'est la norme, moi je pense pas. Et il y a aussi des cas de maltraitance en dehors des abattoirs. Donc après, il y a un problème de système, ça, c'est sûr, qui se pose, lié au productivisme. Après, les problèmes de pratique aussi dans les pays, musulmans, l'abattage est réalisé en dehors des abattoirs, en gros, c'est finalement aussi. Voilà. Oui. Une question En fait, moi, j'ai plein de questions. Le halal, c'est un petit peu étaliqué, pas autant de monde que ça. Parce que, bon, c'est une autorité publique, en tant que musulman, de faire attention à ce qu'on rentrer à l'intérieur de notre corps, donc à l'intérieur de la nourriture. Et c'est vrai que le halal, c'est un éternel débat, que ce soit en cercle fermé, famille, amis, etc., ou comme ça dans la communauté. Et j'ai l'impression que, quelque part, cette nouvelle norme de venir, malheureusement, ça jette un petit peu le projecteur sur l'état de santé, entre guillemets, de notre communauté, c'est-à-dire que le halal, il y a 5-10 ans, pourquoi en amont, je pose une question comme ça, pourquoi en amont, malheureusement, depuis un certain nombre d'années, on n'a pas été capable de définir nous-mêmes un semblant de norme, ou un semblant d'unité par rapport à ça. Malheureusement, il y a des instances, entre guillemets, représentatives de la communauté musulmane qui sont créées. Alors, je ne sais pas si ça date depuis la création du CNCM, via Sarkozy, etc., donc on en revient à l'aspect politique.
Mais la dissension, peut-être qu'elle commence là, et je suis toujours étonné, parce que je en famille ou entre amis, c'est vrai qu'on se demande tous, bah tiens, ta viande halal, tu lâches tout, bah tiens, il y a tel boucher qui est bien assis, il a un certificat bien présenté, etc. Après, on va parler de la RGMM, je crois, c'est Lyon, Paris, enfin, la mosquée des Vrigues en Couronne. Après, on parle, non, cible plutôt le tampon, enfin l'étiquette, le sticker AVS. Après, il y en a qui vont parler de HADA, je crois, enfin, il y en a plusieurs. Donc, c'est fou. Voilà, on navigue en eau trouble, quoi, je veux dire. Donc, à un moment donné, le fait de dire, bon, je vais prendre une position complètement extrême, je ne mange plus de viande, en effet, il y a un avis juridique qui stipule comme quoi la viande, voilà. Il y a une interdiction sur certains types de viande, mais le fait est, c'est qu'il y en a, ils vont adopter une attitude extrême. Pourquoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a pas de, il y a votre association, il y a la Sidcom également, mais je suis effaré du fait que, en effet, chacun s'observe en chien de faïence, entre guillemets, et forcément, ben, comme c'est un marché de milliards et milliards de dollars, je crois que c'est 600 milliards, je crois, même peut-être plus dans le monde, en France, c'est pas grand-chose, on est quand même, je crois, la plus grande communauté en Europe. Et ils définissent cette norme, pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'il y a un aspect mercantile, hein, très bien dénoté. Mais nous, en tant que musulmans, je sais pas, je suis effaré, quoi. Il y a quand même. On n'est pas que là pour ouvrir des snacks. Des snacks, c'est vrai, dans tous les coins de rue, sur 10 mètres, pour en avoir 4-5. Mais je veux dire, il y a de la viande, a priori. Mais pourquoi nous-mêmes, peut-être pas définir une norme, mais se mettre d'accord et dire si on n'arrive pas à définir une norme, et bien qu'on empêche que ce soit des instances laïcardes, etc., ou islamophobes, on peut utiliser tous les termes qu'on veut, tous les adjectifs qu'on veut, qui prennent le marché. Et c'est vrai qu'ils nous ont observé depuis pas mal d'années. Il y a peut-être des petits feux qui ont été allumés pour voir en effet notre réaction. Mais cette norme-là, je pense que c'est le gros feu, en fait. Et le fait est, c'est que, voilà, je m'inquiète. Je veux dire, ok, eux, ils proposent quelque chose que nous, on n'a pas été capable de faire. Mais eux, ils mettent pas l'aspect religieux dans leur sauce à eux, entre guillemets. Bah, nous, pourquoi nous, on va pas statuer sur l'aspect religieux, entre guillemets, faire en sorte de... Parce que eux, ils ont quand même un savoir-faire qui date de pas mal d'années par rapport au marché de la viande. Hein, l'occidental, c'est un grand mangeur de viande. Hein. Pourquoi ne pas s'inspirer de leur mode, entre guillemets, il y a forcément des choses positives dans cette démarche. Mais nous, en amont, on doit travailler l'aspect en effet religieux, mais pour travailler, il faut qu'on soit d'accord. Il faut que, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des réunions, est-ce qu'il y a des instances religieuses musulmanes se mettent, oui. Et comment ça se passe derrière? Oui. Je n'ai pas étudié le dossier, non, mais je pose la question comme ça de but en blanc, mais ça me paraît effarant. Non, je vais d'abord répéter la question pour ceux qui nous regardent sur Facebook. C'est une question que parmi tant d'autres. Hein, ouais, la question, pas, c'est pourquoi est-ce que si je ne travaille pas, c'est en intra-communautaire, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu un accord, une union qui s'est établie par rapport à... Parce qu'il y a un désaccord, forcément. Voilà, sur la norme halal. Non, mais je ne sais pas. Je sais que c'est plus compliqué que ça, hein, mais... Non, c'est très simple. J'essaye de... Non, c'est très très simple. La réponse est très claire. Autant sur différentes questions, la communauté musulmane s'est déchirée sur des questions. Autant sur le halal, il y a unanimité. D'accord. Unanimité. On pourrait penser que... Unanimité. Ils se sont retirés. Unanimité. Sans même pas, même la mosquée de Paris, c'est-à-dire même ceux qu'on considère, c'est-à-dire tout le monde s'est retiré de la flore. Et tout le monde a signé la charte du halal. C'est des réunions intracommunautaires qui se sont faites dans le cadre du CFCM, où dedans il y avait des organisations de consommateurs musulmans. Vous avez toutes les organisations principales du CFCM qui étaient présentes, et ils ont tous signé unanimement la charte du halal, qui définit. Mais ça resterait une norme. Comment ? Ça resterait une norme. Non, charge, ça traduit en tant que norme. Ils ne sont pas au niveau de la manière de produire, mais la manière de définir le halal, ils se sont tous mis d'accord. C'est une charte du halal qui a été proposée à la FNOR en disant on ne comprend pas, vous voulez débattre sur ça, ok, on ne s'est jamais d'accord. Voici, c'est ça. Ils ont refusé, ils l'ont rejeté. Parce qu'ils n'en veulent pas. Ils veulent la définir eux-mêmes, ils veulent pas que ce soit. Ils ne veulent pas d'interférence religieuse, ce qui est logique. Mais pourquoi eux, ils s'immiscent dans les affaires religieuses? Oui, mais ils considèrent que nous, on n'a pas interféré en tant qu'on voulait.
il y a une charte du halal qui s'est faite, qui est très claire, qui est très détaillée, etc. Où tout le monde a signé, de la mosquée de Paris, à la mosquée d'Ivry, à la mosquée de Lyon. Est-ce qu'ils la respectent? C'est autre chose. Parce qu'eux-mêmes, ils la respectent, c'est un autre débat. Mais en tout cas, ils ont tous signé. Et avec dedans, vous avez des organismes de certification, vous avez des centres consommateurs. Bon, c'est-à-dire que il faut pas, la communauté, elle n'est pas en très bon état, c'est sûr. Mais si on la noircit plus qu'elle est, donc on va pas s'en sortir. C'est rare quand on arrive à se mettre d'accord, qu'on s'est mis d'accord. Moi j'étais présent, ce n'est pas un truc qu'on m'a dit que. J'étais présent et on a signé, et l'UFCM a signé cette charte aussi. Donc c'est premièrement fait. Ça s'est fait. Et réellement, là où je te rejoins, il y a un véritable problème de communication. Parce que des choses comme ça se font. On a tenté de communiquer, mais ce n'est pas suffisant. Hein, il faudrait communiquer beaucoup plus au niveau de la communauté musulmane. Deuxième point, où il faut réellement, c'est récurrent, cette question de dire, on doit être tous pareils, on doit se mettre d'accord sur un... Non, c'est pas comme ça l'islam. L'histoire musulmane, c'est jamais fait comme ça. On n'est pas, faut pas se comparer à l'église chrétienne. L'église chrétienne qui se considère comme étant la représentante de Dieu sur terre. C'est la parole de Dieu. Quand le pape parle, quand l'église parle, c'est Dieu qui parle. Donc, il décide, ceux qui ne suivent pas l'église sont excommuniés. Ils sortent du catholicisme, c'est ça. C'est comme ça que ça marche. Et d'ailleurs, pour eux, le débat se fait à l'interne, dans l'église, une décision, une autorité suprême au-dessus décide, et les gens se soumettent. Point. L'islam, ça ne marche pas comme ça. L'islam, c'est pas ça, du tout. L'islam, on favorise le débat entre nous. La divergence, quand elle est basée sur des sources reconnues, le Coran et la Sunna, c'est-à-dire quand elle est acceptée, c'est-à-dire qu'on accepte, des gens peuvent avoir des positions différentes sur la halal, comme ils peuvent prier de manière différente, même si ce sont les détails, comme on peut désigner le début du ramadan de manière différente, comme on peut clôturer le ramadan de manière différente. Et ça, il faut arrêter de croire que des positions qui peuvent être différentes dans la communauté musulmane, c'est nécessairement une source de feedback ou de conflit. Non! Il faut qu'on change de... On n'est pas dans la logique... ce qu'on disait, césaropapiste, on disait. Ça veut dire un empire, une autorité suprême au-dessus, etc., qui décide. Et c'est vrai que la logique de l'État, actuellement, elle s'inspire beaucoup des logiques de l'Église. Même l'État moderne, ce n'est qu'un... Ce n'est qu'un reliquat de l'histoire. C'est-à-dire que la manière de décider, c'est d'accord. Obligatoirement, l'État va décider et tout le monde doit se soumettre à ses positions. Non, c'est pas vrai. On peut avoir des positions différentes, on peut concevoir le halal de manière différente, tant que tu te réfères aux sources, réellement aux sources, et aux savants reconnus, connus et reconnus, qui peuvent être très différents. Et pourquoi pas? Il faut se respecter, point final. Qui est différent d'organismes de contrôle, pourquoi pas? Pourquoi il y aurait... C'est à nous de nous renseigner, de savoir que la mosquée de Lyon, elle déclare halal sur cette base-là. La mosquée de Paris, sur cette base-là. AVS, sur cette base-là. Shahada, sur cette base-là. C'est-à-dire, il faut savoir, après, il faut voir avec ses yeux, et à partir de là, chaque musulman, ben, il a un cerveau, il réfléchit. Nous, il n'y a pas d'autorité qui vient te dire et t'imposer un point de vue. Même les fétois, c'est des avis. Fétois, c'est avis. Fétois, c'est pas décret. C'est avis, un religieux, une référence musulmane, donne un avis sur la question. C'est qu'un avis. Tu n'es pas obligé de suivre. Tu peux suivre un autre avis. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la même logique. Et c'est vraiment problématique chez nous. Parce qu'on transforme chaque divergence en division. Une divergence n'est pas nécessairement une division. Elle devient une division de la manière de se comporter dans la divergence. La manière qu'on va se comporter dans la divergence peut créer la division. Mais pas nécessairement. Et donc, au niveau du SM, on remet en cause l'idée de normes. On ne veut pas de normes. C'est aux musulmans de se réunir et de définir, etc. Et on peut se définir même dans la divergence. Plusieurs normes, en fait. Plusieurs normes, plusieurs manières de se définir, etc. Et tout. Mais eux, faut comprendre la logique. Ils ont besoin d'une norme. Oui. C'est pas possible. C'est-à-dire que tu peux pas définir un produit sans qu'il n'y ait pas une norme mondiale.
pas française, pas européenne, mondiale. Parce que la marchandisation, elle est basée sur ce principe-là. Et ils veulent nous l'imposer dans notre manière de faire le culte aussi. Mais comment se fait-il ? Nous, en plus. Pour l'Asie du Sud-Est, c'est ça, là-bas le marché est énorme. Est-ce qu'il y a une norme définie là-bas, non ? Pour l'Indonésie, Malaisie, etc. Comment... Oui, chaque pays essaie de définir des normes. Et il n'y a aucun souci. Bien sûr, il n'y a pas de souci, mais là, on tape là où les... C'est ministère. Comment ? Et pourquoi, malheureusement, en France, on est encore sur le fait de dire oui, ok, parce qu'il y a un marché autorisé, etc. Mais... Parce qu'il y a ingérence. Oui, mais tu me dis que... Il y a ingérence quand les musulmans, quand les Indonésiens sont musulmans, se regroupent, discutent, débattent, etc. Et tout. Ils arrivent à sortir des documents, ça. Mais il y a ingérence de l'État. Il y a ingérence. Et si la norme AFNOR respecte les... qu'est-ce qui a été signé par les... Par la charte. Par la charte. Même si elle l'accepte... Ça serait mieux. Non, même... C'est l'imam Malik, quand il a fait le Muwatta, le calife de l'époque, il voulait prendre son bouquin, son livre, qui est un livre sur de fiat, hein, comme étant la référence du califat. Il a dit non. Non. C'est la référence de ceux qui se reconnaissent à mes positions, pas du califat. Ça veut dire que ceux qui ne se reconnaissent pas en ça, ils seront mis de côté? Non. Et ça, c'est l'imam Malik qui dit ça. Si la charte, elle a mis tout le monde d'accord. Mais ça sera encore discutable, etc. Mais il n'y a pas une norme. C'est une norme. On ne veut pas d'une norme de l'État. On veut une norme commune. Si la communauté se met d'accord, tant mieux. L'État n'a pas s'immiscé dans... L'État n'a rien à voir là-dedans. Est-ce qu'il y a un intérêt à... Ça dépend de quel cas de figure. Parce que forcément, avec l'État, ça doit être un avance. Donc là, c'est juste un verrou politique, institutionnel, quoi, juridique. C'est-à-dire que ça. L'État nous empêche d'avoir une ou voire plusieurs normes. Mais il n'y a pas un recours, je ne sais pas, c'est pas... Là où je posais la question, c'est pas une dictature. Est-ce qu'il y a un intérêt Actuellement, on est sur les tribunaux. Est-ce qu'il y a un intérêt même à rédiger un cahier des charges? C'est quoi l'intérêt, justement? Rédiger un cahier des charges et... Mais c'est une affaire communautaire. C'est les musulmans qui se réunissent, mais c'est le principe. Ouais, ils prennent en compte les divergences. S'il y a divergence, on va pas les provoquer non plus les divergences. S'il y en a pas, ben il y en a pas. C'est vrai. Mais il faut considérer, c'est une affaire communautaire, gérée par la communauté musulmane, et qui est orientée vers la communauté musulmane. Qu'est-ce que l'État vient faire là-dedans? C'est du religieux. On n'est pas en train de définir qui va devenir président de la République, on n'est pas en train de faire du politique. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de définir quelle orientation on va donner aux élections dans 5 ans, dans 3 ans. On est en train de parler d'affaires religieuses. Les affaires religieuses sont faites par les instances religieuses. Et l'État doit s'occuper de ses affaires. Mais il ne peut pas y avoir, entre guillemets, un compromis. C'est comme je disais tout à l'heure, le fait de dire l'aspect religieux géré par notre communauté. Et puis en même temps, en fait, être présent justement pour tout ce qui est transformation de la viande carnée, etc. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais après, l'État dispose. C'est-à-dire que c'est à l'État de faire de ce qu'il veut. C'est-à-dire que c'est normal que nous, en tant qu'organisation communautaire, hein, que ce soit la mosquée de Paris, la mosquée de Lyon, l'UIF, tout ce qu'on veut, etc., qu'ils se mettent d'accord entre eux, qu'ils présentent à l'État, voilà, nous on s'est réunis comme toute organisation, comme même en-delà du religieux. C'est normal qu'on dise, voilà, on s'est réunis, ça peut être une association aussi autre chose, écologique, qui dit, voilà, nous on s'est réunis, différentes organisations écologiques, on considère que ça ne devrait pas continuer, et on fait des doléances, ça peut être possible. Mais là, on est dans un rapport qui est clair, qui est transparent, qui est net. C'est des religieux qui posent leur manière de concevoir le halal à l'État, et l'État dispose. Mais l'État n'a pas à imposer à un musulman ou à imposer une manière de voir le halal, même si tous les musulmans sont mis d'accord. Et la grosse différence avec la communauté juive, en fait, par rapport à ce marché-là, c'est... Ah, c'est très simple. La communauté juive... C'est très bien, mais je veux dire... Il n'y a rien à voir. Comment on s'organise? Ah non, mais eux, ils ont fait une fin de non-recevoir. La communauté juive, il n'y a pas cette logique de l'argent qui est important chez dans le halal. Les musulmans, c'est 1 milliard et quelques de personnes, donc c'est un marché, etc. Donc il y a des intérêts financiers qui sont au niveau de l'exportation. Il y a un marché, il y a quelque chose. Mais les juifs, ils ont mis, à un moment donné, parce que c'était un vrai problème, si on devait parler du cultuel, l'abattage cultuel, c'était l'abattage cultuel.
ne pouvait pas parler d'abattage musulman, parce que là, ce n'est pas laïque. On parlera du... C'est normal que l'État gère le cultuel, c'est-à-dire qu'on pose la manière de gérer ces questions-là. Mais on ne peut pas dire qu'on va gérer la question musulmane. Là, il y a un problème avec la laïcité. Mais ils sont pas arrivés, mais ils ont trahi, sans vergogne, il n'y a pas de problème. Hein. Les Juifs ont dit, il y a un circulaire, il n'y a rien à voir, on ne veut pas discuter, on ne veut même pas poser la question, ça nous concerne. Et d'ailleurs, ils ont même fait la remarque, on ne comprend pas pourquoi vous rentrez dans ces débats. Même les représentants de la communauté juive sont choqués du comportement des représentants musulmans. Ils sont choqués. Comment vous acceptez de rentrer dans ce débat? Comment vous rentrez même dans le débat? C'est même pas question de vous êtes d'accord sur ça, et qu'on a... ça ne les concerne pas. C'est ça. Après, l'État, s'il interdit l'électronarcose, c'est simple. Hein. Si l'État oblige l'électronarcose, c'est simple. Hein. Les producteurs musulmans, ils seront à l'étranger. Et puis la viande sera importée, et puis tant pis pour la production française. Et c'est pas gagné. Le musulman est optimiste là-dessus. Il doit l'être. Oui. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est que l'État a une manière d'appréhender le halal, mais du coup, comme elle ne peut pas s'immiscer directement dans les affaires du halal, elle passe par la FNOR. La FNOR a conscience qu'il y a beaucoup d'industriels français qui ne peuvent pas aujourd'hui, qui sont obligés, si vous voulez, de s'appuyer sur des cahiers des charges des pays d'étrangers. Il y a une raison culturelle et mercantile. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que la FNOR, quand elle pond une norme, elle est expérimentée, donc elle est facultative, mais elle est disponible actuellement pour les entreprises. Et en France, lorsqu'une norme non expérimentée, elle est homologuée, souvent en fait utilisée par les industriels, par arrêté ministériel, ils peuvent la rendre obligatoire. Et s'ils la rendent obligatoire, du coup, c'est beaucoup plus difficile derrière pour contester. C'est souvent la pratique qui se fait avec la FNOR. Donc du coup, c'est bénéf pour eux parce qu'il n'y a pas d'ingérence officiellement. Et puis pour la FNOR, il y a aussi un côté, on va dire, de cahier des charges, de propreté, de traçabilité. Ouais, ça concerne les hygiènes. Voilà, mais du coup, il y a quand même des raisons, on va dire, de l'État qui aujourd'hui, en fait, beaucoup n'ont pas conscience de ces raisons-là. Et du coup, ils passent par les pratiques parce que par expérience, ça marche, pour d'autres raisons. Mais des normes à caractère commercial, la FNOR, ils en font tout le temps. Oui. C'est pas un acte administratif, hein. c'est une norme expérimentée, facultative, et du coup, c'est pas la première fois qu'un ministère, si vous voulez, la valide une fois qu'elle est homologuée par un certain nombre d'industriels. Bon, je répète, donc les normes de l'AFNOR sont facultatives, entre guillemets, et le ministère peut l'homologuer. Lorsqu'elle est obligatoire, elle est gratuite, actuellement elle est payante, donc elle est facultative. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un test. Voilà. Pour voir un petit peu comment la communauté musulmane réagit. Et c'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, que nous, on a contacté plusieurs imams, plusieurs mosquées pour faire des petites vidéos, faire ce genre de petits débats pour sensibiliser la communauté et également lancer un message justement à l'État, à l'AFNOR, en leur disant qu'on ne restera pas les bras croisés. Oui. J'ai l'impression que chaque pays a ses persécutions. C'est-à-dire que certains reçoivent des bombes, d'autres se font chasser de leur pays. Et nous, en France, on nous impose des lois, ce soit hijab, ou bien on nous a interdit l'abattage le jour de l'Aïd. Et d'année en année, on voit qu'il y a des lois qui sont imposées aux musulmans. Et quand on voit par exemple dans les supermarchés le rayon halal que les gens achètent, ils ne se posent pas de questions les gens. Ils achètent parce que c'est écrit halal. Ils ne regardent même pas s'il y a un logo certifié, ils ont recherché. Non. Parce que beaucoup de gens disent c'est écrit halal et c'est eux qui prennent la charge. Et même les boucheries. Quand les gens ils vont dans une boucherie, ils ne cherchent pas. D'ailleurs, on pourrait se demander, est-ce qu'il y a un pourcentage de... Combien de musulmans se posent vraiment la question, est-ce que c'est halal? Et la plupart des musulmans, quand ils vont dans des boucheries, c'est pour ça qu'il y en a autant, ils achètent, et c'est tout. Ils disent c'est halal, et point barre, il va faire son marché à Merimel, et puis c'est tout.
Donc c'est le problème du consommateur. Voilà, donc j'aimerais moi, est-ce qu'on peut savoir réellement combien de musulmans africains qui cherchent vraiment le halal de la bête qui de la vache qui mange son herbe tranquillement, qui est abattue tranquillement, est-ce que ça existe vraiment ça? Non, mais au niveau de... malgré, on a toujours ce problème de noircir, malgré tout, comme la communauté musulmane devient de plus en plus exigeante, on a même des mouvements véganes chez les musulmans, donc il faut dire que ça va très loin, quoi. Donc, ils ne sont pas véganes parce que, à cause du halal, hein, ils sont véganes parce qu'ils ne veulent plus manger de viande, ils savent comment ça se passe. Donc, malgré tout, il y a une exigence qui n'existait pas du tout avant, et qui maintenant commence à... D'ailleurs, on le voit, hein, les organismes de certification explosent. Hein. C'est qu'elles ont... le tonnage qu'elles certifient, qu'elles contrôlent, ça augmente en permanence. C'est pas par hasard. Vous savez, un industriel, quand tu demandes à un organisme de certification comme AVS ou autre, leur demande de venir certifier la viande, ça leur coûte de l'argent. Ça leur coûte de l'argent, parce qu'un contrôleur, sur un site, il faut bien le payer. C'est des frais. Hein. Donc, s'ils le demandent, c'est qu'ils se rendent compte qu'il y a réellement dans la communauté musulmane, il y a une demande, quoi. Il y a une demande qu'on veut savoir d'où viennent ces produits. Toutes ces certifications sont sérieuses. Ah non, mais je vais pas dire. Moi personnellement, je n'ai pas confiance qu'à le sol, mais je ne sais pas. C'est à vous de. Chacun doit. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a pas énormément. Donc c'est, mais le nombre de tonnage qui est certifié chaque année, il ne fait qu'augmenter. Donc ça veut dire qu'il y a un réel. Je dis, quand un abattoir, un industriel, demande à être certifié, ça lui coûte beaucoup d'argent. Donc il ne le fait pas pour perdre de l'argent, il le fait pour gagner de l'argent. Donc ça veut dire qu'il y a une réelle demande. C'est pas aussi. Après. Il va se poser une autre question. Maintenant, on n'en est plus là. Moi, je pense que effectivement, beaucoup de gens, ils voient halal, ils achètent, point final. Mais je pense que la question, elle est beaucoup plus profonde que ça. Même la certification, c'est un problème. Parce que la consommation, la manière dont ils produisent ces bêtes, moi, comme disait Félix, il disait, oui, c'est pas aussi horrible que ça dans l'abattoir. Ça dépend. Ça dépend où est-ce qu'on met la barre. Moi, je mets la barre au niveau de la sunna du professeur. Pour moi, la référence, c'est ce que dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit l'animal ne doit pas sentir le sang. Comment tu, une bâtisse, hein, où le sang, ça coule à flot, comment tu peux dire que dans sa... Je ne suis pas en train de parler du fait que l'animal, on lui donne des coups, tout ça et tout. Même, elle ne doit pas voir le couteau. Comment c'est vrai que maintenant, ils mettent des paravents, par exemple, AVS oblige, pour les bœufs, tout ça et tout, oblige qu'il y ait un paravent. Ils ne le pratiquaient pas. Certains le pratiquaient, ils ne le pratiquaient pas. Eux, ils n'abattent plus de bêtes sans qu'il n'y ait pas un paravent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la bête, les bêtes qui sont derrière ne voient pas la prochaine bête. Mais vous rentrez dans un abattoir, vous suffoquez avec les odeurs. Donc, le hadith n'est pas appliqué. Après, ça peut être idyllique. Mais moi, pour moi, ce qui est derrière tout ça, ça veut dire que. En fin de compte, quel est le sens du message du professeur Hassel? On ne se comporte pas avec une bête, on ne rassemble pas des milliers de bêtes et qu'on abat dans un lieu. Ça ne se fait pas. On ne peut pas se comporter comme ça. Ouais, ça remet en cause beaucoup de choses. Mais moi, je remets en cause la situation, je ne remets pas en cause la parole du prophète. Si le prophète Mohammed il a dit ça, il y a un sens. Il y a un sens, ça veut dire que c'est le monde qui est tordu, ce n'est pas le prophète qui s'est trompé. Donc c'est le monde qu'il faut changer. Et s'il doit changer dans 3 siècles, il changera dans 3 siècles. Mais ça, on le dira toujours. Les abattoirs, c'est un problème. Les centres d'abattage industriel, c'est un problème. C'est un problème par rapport à notre étude. Donc c'est au-delà même de la certification. Parce que la certification, actuellement, ce qu'elle fait, elle s'adapte à ce système. Tous, ben, ils ont raison, ils n'ont pas le choix. Et tant mieux, au moins, on ne mange pas de porc. Halal. Tu vois, parce que... Il y avait du porc halal dans les grandes surfaces. Vous savez, ce qu'on disait du bœuf, c'était du porc. Vous savez, donc avec l'étiquetage. Donc déjà, on sort de ça. C'est déjà pas mal. Après, c'est des bêtes qui sont réellement abattues avant qu'elles soient mortes. Parce qu'il y a beaucoup de bêtes qui sont déjà mortes et qu'on égorge après.
Donc déjà, on sort de des situations qui étaient catastrophiques. C'est déjà pas mal, alhamdoulilah. Mais le problème, il est beaucoup plus profond. Et d'ailleurs, le halal, ça, pourquoi le halal énerve? Parce qu'il pose des questions de sens. Il pose la question de cette société, comment elle est organisée. Et nous, on la posera. On va pas faire semblant que ça n'existe pas. On va la poser, ça gêne, ça dérange l'État, ça dérange les industriels, et bien tant pis pour eux. Mais nous, on posera la question. Est-ce qu'on ne peut pas aller de l'autre côté, du côté des consommateurs? Oui, c'est ça. Les consommateurs qui, eux, ils font tout ça parce qu'il y a même la viande. Les gens, ils mangent la viande. Il y a trop de demandes. 3-4 fois par semaine. Mais pourquoi il y a trop de demandes? Il faut se poser la question. C'est ça. La boucle, elle ne s'arrête pas aux consommateurs. Pourquoi les gens, ils sont demandeurs? C'est ça en fait, qu'on se pose la question. Pourquoi à l'époque, il y a un hadith, je ne sais pas si c'est sahih ou pas, on disait que Omar ibn Khattab, il donnait des coups de bâton à celui qui allait prendre plus de viande qu'il ne devrait. Ça veut dire que nous, on a pas cette limite, mais l'être humain n'est pas né pour manger autant de viande. Quoi. Surtout, on dit souvent, je crois que le pays du Maghreb, bon, on sait très bien qu'il ne touche pas beaucoup d'argent, mais je crois que ce qui est consommé au Maghreb, c'est plus que toute l'Europe réunie. Hein, c'est une statistique qui avait été établie. Donc en fait, la question qui se pose, c'est pourquoi en fait on mange autant? Finalement, c'est parce que c'est une société consumériste qui te dit, mange, consomme, mais pas que manger du matelas, hein. Consomme. Parce que la nature est l'horreur du vide. Pendant que tu consommes, et tout est lié, il a raison Yamin, quand il dit, parce que quand tu consommes tout ça, on sait très bien que même l'alimentation, à force de trop consommer, et on est tous les témoins de ça, c'est que spirituellement, tu demeures en fait. Voilà, toutes ces hadiths-là, toutes ces paroles-là, elles ne sont pas envoyées en l'air. Et le fait, surtout de la nature à avoir du vide, ça veut dire que pendant que tu consommes, tu as la frénésie du dernier iPhone, de manger tout le temps, etc., bah, tu oublies l'essentiel. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas fortuit. Ouais, donc c'est revenir à la spiritualité, car avec un vide spirituel, on se lance dans une consommation effrénée. On en est responsable, comme il l'a dit, hein. C'est-à-dire que sans demande, il n'y aura pas autant d'offres. Et c'est vrai que nous, en tant que musulmans, comme tu disais si bien, derrière le halal, il y a toute l'éthique que renvoie l'islam. C'est pas uniquement l'aspect alimentaire, c'est nos habitudes alimentaires qu'il faut changer. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, qui nous oblige de manger autant de viande? Quand on regarde les deux fêtes, on a deux fêtes principales, enfin, les deux fêtes, dans certains pays même, c'est vrai, il y a l'aspect... ou un mouton, etc. Donc pour dire, la viande, là, on lui donne une importance. Parce que c'est un jour de fête. Et manger de la viande, maintenant, acheter de la viande, c'est comme acheter une baguette, quoi. Ça devient un anodin. Il n'y a pas de mérite, entre guillemets. Voyez. Et le problème, c'est que manger de la viande, moi, personnellement, j'en mange de moins en moins. Des protéines, on peut en trouver... j'en mange de la viande. Mais je ne suis pas un énorme consommateur. Et c'est vrai que l'être humain, sans parler islamiquement parlant, il y a beaucoup d'études scientifiques qui le prouvent, l'être humain, en mangeant trop de viande, au jour d'aujourd'hui, ben c'est vrai que l'obésité, le cholestérol, l'AVC, etc., c'est la surconsommation de viande. Alhamdoulilah, on ne mange pas de porc, mais on mange, parallèlement, on mange beaucoup de viande, quoi, à côté de nous, en tant que musulmans. Et sans parler, bien sûr, le comportement, de l'adèle qu'on doit avoir en consommant cette viande-là. Et normalement, en tant que musulman, on doit travailler l'aspect, humilité. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui mange trop de viande, à un moment donné, il doit s'interroger. Il doit savoir que ne serait-ce que dans sa propre famille, au bled, par exemple, il ne mange pas autant de viande. Ou même son voisin, c'est pareil. Donc déjà, on en revient, comme tu disais si bien, à l'éthique. En tant que musulman, s'il n'y avait pas autant de demandes, on ne serait pas là. Enfin, on doit définir, bien sûr, une ou plusieurs normes. Par rapport au halal, mais déjà à la base, le problème, c'est pas le fait de dire il y a divergence, pourquoi on n'arrive pas à se réunir, c'est déjà le rapport qu'on a avec la viande, avec la nourriture tout court, mais avec la viande en particulier. Et c'est ça, tant qu'on n'arrive pas, moi je vois pas tant de conférences par rapport à ça, par rapport à l'aspect alimentaire, parce que quelque part, tu deviens ce que tu manges. Et nous, en tant que musulmans, on mange mal, on dort mal, à la liste elle est longue. Et comme tu disais si bien, on sait mal en fait du principal, quoi. C'est quoi être musulman? Est-ce que là, réellement, j'ai un comportement musulman? Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, si on faisait plus attention à ce qu'on mettait, qu'on fait rentrer dans notre corps et ce qui sort de notre bouche, on a beaucoup de choses, Allah nous faciliterait beaucoup de choses. Mais c'est vrai que cet aspect-là, nourriture, c'est une catastrophe dans notre communauté. Je me permets d'en parler, hein, mais c'est une catastrophe. Je reviens au snack,
sûr, quoi. Je veux dire, je ne sais pas, on n'est pas capable de se former, d'ouvrir une bonne crêperie halal. Je crois qu'il y en a deux ou trois qui viennent d'ouvrir, ou d'autres choses. Non, mais je ne sais pas, si autant manger, autant bien manger. Et là, des snacks à tout va, des tacos, et puis vous voyez sur Facebook, ils prennent des photos, il faut qu'on arrête. Non, mais voilà, il faut qu'on arrête. Moi, ça me désole, ça me reste poli, mais je sais pas, moi, bientôt, on va se prendre en photo en faisant la prière. Tu manges, ok, mais bah non, on prend pas des photos. Facebook, halal, etc. Ouais, bon, ok. Mais maintenant, il y a plus de posts sur l'alimentaire que des conseils sur l'aspect, je sais pas, sur la prière, sur... regardez là, bah, je sais pas, par rapport à cette conférence, voilà, il n'y a pas autant de monde, etc. Donc, on va plus parler, tiens, j'ai le meilleur tacos de nous, il a telle adresse, et puis là, les commentaires, ça y va. Alors que, tiens, il y a une conférence au halal, bah, je sais pas, ne serait-ce que dans cette conférence-là, tous ceux qui ont vers des snacks à l'autre, ils devraient être là. Non, bah. Non, mais déjà, moi, ça me paraît logique. Tu vends de la viande, et ben, par rapport à la communauté, tu as une grande responsabilité. Viens poser tes questions. Où tu prends ta viande? Comment tu fais? Viens rassurer nous en tant que consommateurs. Viens nous rassurer. Je sais pas s'il y en a là dans la. Je sais pas, quoi, tu leur poses. Je pense pas. Non, mais je trouve ça aberrant. Déjà, il y a un décalage. Ouais, mais je sais pas, enfin bon, je me dis, j'ai pas la même question. Là, c'est l'heure du rush. On peut leur jeter des pierres parce qu'ils font ce style de nourriture. Après, il y a un autre côté qui est important, c'est qu'il y a une organisation économique qui se crée, il y a de l'entrepreneuriat, il y a des choses. Il y a du pour, il y a du contre. Moi, je suis pas forcément contre. Mais l'entrepreneuriat, c'est bien. Et si leurs magasins, ils sont encore... s'ils sont encore là, ils sont ouverts et qu'ils ouvrent encore plus, c'est qu'il y a encore plus de demandes. Oui, c'est que ça tourne. Oui, le problème, c'est qu'il n'y a pas de diversification au niveau alimentaire. La demande justifie. Ils devraient proposer un menu sous le main. Un tiers. Non, mais voilà. Je veux dire, d'accord. On est bien défini. On est là sous le main. Je ne sais pas, on n'est pas limité uniquement. Après, on se dit que. Peut-être que j'extrapole, mais. Il faudrait deux menus, s'il vous plaît. La condition du musulman en France, on en est responsable. C'est-à-dire que si l'État et toute la horde qu'il y a derrière, islamophobe, etc., on hésite toujours l'islam comme un, c'est parce que nous, en amont, on a été divisés, enfin, on nous a divisés pour qu'il y ait lieu. Pour qu'il y ait lieu, lieu de... C'est parce qu'on était divisables. Oui, oui, ça. Mais le problème, c'est qu'à la base, ça part dans tous les sens, dans la communauté. Après, je trouve que le débat du halal, on fait une grosse fixation sur halal. Moi, je trouve que c'est un effet de mode. Et je ne veux pas vous mentir, moi, ça me saoule. À vouloir manger halal, on finit toujours au grec. Déjà, pour commencer. Moi, j'ai envie de manger un peu de gastronomie française, vous voyez. Un petit bourguignon, un petit agneau, je ne sais pas. Il y a des on est un peu. Voilà. On a un peu essayé de finir toujours au grec. Et c'est vrai que c'est une fixation, c'est un effet de mode. Je pense que la fixation, c'est comme tu l'as bien dit tout à l'heure, on fait une fixation sur ce qui rentre, on ne fait pas une fixation sur ce qui sort, parce que les dégâts sont plus gros avec nos mots et avec nos bouches. Ouais, le halal, c'est un moyen, c'est pas une différence. C'est pas plus grave que ça. C'est pas la même chose. Le frère qui voulait intervenir, alors, juste sur Facebook, on a Ibo Ibo qui dit « Je vous laisse, je vais manger un bon tacos. » Mais juste avant, il y avait une question. Mais faites pas un compte rendu, non, il dit pas ça. Je connais le frère. Il y avait une question de Kamel qui disait « Quelle alternative existe-t-il contre la surconsommation de viande ?» et cette surproduction industrielle. Alors, quelle alternative face à cette surconsommation et cette production industrielle? Dans le prolongement, il y avait une question aussi qui avait été posée qui disait est-ce qu'il vaut mieux manger, il vaut mieux pas manger une viande qui n'est pas halal habituellement, mais qui est éthiquement, qui l'est éthiquement, plutôt que de manger une viande qui est halal au niveau rituel, mais que, qui est abattu dans des conditions. D'accord, donc manger une viande qui n'est pas halal, qui n'est pas abattue sur une viande halal, qui est plus éthique, est-ce qu'elle est meilleure qu'une viande de type halal et qui a été produite dans des conditions industrielles? Félix. Ça, c'est la fin. La fin de la fièvre. Ça veut dire le jour où on fera la séparation entre le rite et l'éthique, entre les règles, entre la forme et le fond, le jour où on fera cette séparation-là, c'est la fin. C'est la fin. Le jour où on dira, il faut faire un choix entre l'éthique et la règle,
ben on aura tout perdu. Parce qu'il n'y a pas d'éthique sans règle. Et une règle qui n'est pas fondée sur une éthique, c'est qu'une règle. C'est-à-dire que ce n'est pas possible. C'est-à-dire que les règles, si en islam il y a des règles, si vraiment s'il y a toute une science, c'est ce qu'on appelle, pardon, ce qu'on appelle le fiqh, c'est-à-dire toutes ces règles juridiques, tout ça, qui sont fondamentales. C'est-à-dire si on commence à dire qu'il faut faire un choix entre ça et le fond, c'est qu'on a tout perdu. C'est qu'on a perdu, en fin de compte, le message global. C'est parce qu'on trahit le rituel qu'aujourd'hui on est en train de se poser la question. Exactement. En fait. Ouais. Si on supprime le rituel, il n'y aura plus de questions à se poser. Bien sûr. C'est parce que le rituel n'est pas au niveau qu'on se pose cette question. Mais cette solution, là, c'est de dire qu'il faut faire un choix, et moi je fais ce choix-là, pour moi c'est, je ne ferai pas le choix. Cette vision binaire, je ne la ferai jamais, je n'accepterai pas. Parce que pour moi, l'islam est un message englobant. C'est pas un message avec des valeurs qui va s'intégrer à un système marchand. On a des valeurs, mais on va faire du bio, tu vois, on va vivre avec du bio, parce que nous on a des valeurs, mais on va vivre dans le milieu industriel avec du bio. Non, c'est pas ça. L'islam, c'est un message qui est englobant et qui est total. C'est-à-dire que nous, on veut l'éthique, on veut les règles, on veut les deux. Inch'Allah, on va se battre pour les deux. Il n'y a pas un choix à faire. Non, non. J'ai une petite question sur ce que tu disais pour revenir sur la norme Afnor. Tu disais que ce qui est aberrant, c'est que finalement, elle ne s'occupe pas de l'abattage, elle s'occupe du produit après l'abattage. Comment justement une norme pareille pourrait avoir une légitimité auprès des musulmans, sachant ce que tu viens de dire? Moi, c'est la manipulation. Mais c'est à un moment donné, avec l'AFNOR, l'information qui circule, ça va sauter aux yeux de tout le monde. Ouais, c'est de la manipulation, c'est de la pure manipulation. C'est-à-dire dire, à la rigueur, ils auraient dit on va légiférer, faire une norme sur les produits élaborés, issus du halal. Ils ne disent pas halal, ou issus, qui seraient issus conditionnels, qui disent ça, mais ça discrédite. Ok, mais qui disent une norme halal qui ne se préoccupe pas d'où vient la viande. Mais ça n'a pas d'avenir, une norme pareille. Mais si, ça a de l'avenir. Il joue sur l'étiquetage. Mais attends, mais si tu fais ça, et tu fais un gros logo halal, et puis en dessous AFNOR, et tu mets ça sur les produits, etc., en disant voilà, ça respecte la norme halal de l'AFNOR, bah ça y est, les gens, tu les trompes. C'est de la tromperie. Là, c'est de la tromperie. Ils ne peuvent pas faire autrement. C'est un organisme laïque. Ils ne peuvent pas s'impliquer sur le fait du halal, de l'abattage, tout ça et tout, il faut dire Allahu Akbar, il faut ça, il faut que ce soit un musulman, toutes les règles juridiques. Ils ne peuvent pas, c'est un organisme laïque, ils ne peuvent pas s'occuper de ça. Donc qu'est-ce qu'ils disent? On va s'occuper de après. Parce que le avant, c'est religieux, et nous, on ne sait pas notre affaire. Mais tu te dis du après, mais pourquoi tu mets le mot halal? C'est l'hypocrisie. Finalement, est-ce que ça ne va pas tromper les mêmes personnes qui aujourd'hui achètent du pseudo halal étiqueté sans règle aujourd'hui? Oui. Qui vendent des produits. Enfin, ça pérennise. Même ça certifié par des certificateurs fantoches et qui. Voilà, c'est ça. Ça pérennise la situation actuelle. C'est la continuité de ce qui existe aujourd'hui. Oui, bien sûr. Amy, juste en fait, le café du Nord, en fait, il dévoile un certain nombre de problèmes. On a parlé d'éthique, la question du sens, l'émergence des fast-food et tout. Moi, après, la question des fast-food, c'est que je reviens sur ce que disait Mohamed, c'est qu'on s'adapte à un modèle et du coup, certains sont adaptés à un modèle. Mais en fait, moi, ce qui pose réellement problème, c'est qu'unanimement, chez les musulmans, la question du halal, c'est quand même une identité. On s'identifie beaucoup à ça. Et aujourd'hui, le gros problème, ce que j'ai compris du café débat, c'est qu'on a une ingérence de l'État sur cette question-là. Et il y en a beaucoup qui n'ont pas conscience. Et l'État a quand même des cartes pour s'immiscer dedans. Et c'est quelque chose, je veux dire, ça choque pas beaucoup de monde. C'est ça qui est très problématique aujourd'hui. C'est que l'État, en fait, s'immisce dans ces affaires-là, qui est halal, et du coup, si ça marche aujourd'hui, ça marchera pour d'autres thèmes liés à leur religion ou quoi que ce soit. Et justement, si dans la communauté, on n'est pas choqué du fait que l'État s'immisce dans des affaires religieuses, c'est peut-être par un manque de communication, un manque de... Eux, ils jouent sur ça, en fait. C'est un test du monde qui peut poser des problèmes si ça fonctionne en règle. Mais c'est quand même voué à l'échec, quand même, parce que quand même, ils sont arrivés à nous mettre d'accord, même avec la mosquée de Paris. Il faut être fort. C'est plutôt bien. Ça veut dire qu'actuellement, on est tous d'accord. Ça part de l'USCM, mais même les organisations consommateurs qui ne sont pas toujours sur le même terrain se sont mis d'accord. Ils sont arrivés à nous unir, quoi. C'est fort. Donc, c'est vraiment un échec, c'est leur
Après, ils vont réessayer. Nous, actuellement, je vous dis sincèrement, on est en train de faire des démarches judiciaires. On est en train de faire des démarches à l'encontre de l'AFNOR. Et on va pas les lâcher. Parce que là, carrément, il y a du mensonge. Dans ce quand tu dis vous, c'est l'association, l'UFCM, c'est le groupe. Non, l'UFCM, vous-même, j'allais vous demander comment faire pour contrecarrer cette norme-là facultative, mais qui vont tout faire. Non, c'est très simple, c'est comment faire ? Il faut laisser faire. Et on dira, et là, on fera une campagne. Ils l'ont fait tout seul, sans la présence d'aucun musulman. Donc, c'est du halal laïque. Hein, c'est du halal. Athée, c'est du halal, vous l'appelez comment, c'est comme vous voulez, c'est du halal sans la présence, c'est-à-dire, et même carrément avec l'exclusion des musulmans, parce qu'ils considèrent qu'on n'a qu'une voie consultative à l'intérieur, c'est que les industriels qui ont droit de voter durant les commissions. Ce qui est logique, parce que l'AFNOR, c'est un organisme pour les industriels. C'est logique. En fin de compte, les associations de consommateurs, les associations écologiques, ont le droit d'être présents dans ces commissions-là, mais ils n'ont pas de droit. Leur présence n'est que consultative. C'est normal, l'AFNOR est fait pour les industriels, pas les industriels, avec la bénédiction de l'État. Et c'est logique. Donc on n'a pas d'industriels qui pèsent, enfin, dans la communauté, je veux dire, qui se disent, bon, ben, là, ils font appel aux industriels non musulmans. Non, mais les gens qui font en sorte de faire de l'export avec la viande qui vient du Nord. Qu'ils soient musulmans ou non, un industriel gère de l'argent, il y a conflit d'intérêt. Même s'il est musulman, il y a conflit d'intérêt. Donc ce n'est pas un industriel musulman ou non de décider ce qui est halal ou pas halal. C'est l'autorité religieuse qui décide, etc. Donc c'est avec les industriels. Donc la logique de l'influence, déjà, elle est problématique pour nous. Elle est problématique. Qui s'occupent d'autre chose, des stylos, des tables, etc. Mais qu'ils arrêtent le halal, c'est tout. On va jamais leur dire qu'une table n'est pas halal, on ne va pas leur casser les pieds. Mais sur le halal, ils ne s'en occupent pas. Et ce qu'il disait tout à l'heure, l'ingérence, en fait, ce n'est pas uniquement sur le halal. Hein. Le CFC, etc. C'est la gestion coloniale qui se fait. Les mosquées, le nombre de mosquées, qui dirige les khoutbas, etc. Il faut que ce soit un imam qui est 20 sur 20 en dictée, etc. On choisit nos imams, on choisit les discours, on choisit les mosquées. Donc, c'est pas que le halal, ça. Le halal, si vous voulez, c'est encore une pierre rajoutée à l'édifice. Et ça perdure depuis quelques années. Et le problème, c'est que, comme tu dis, on laisse faire. Mais le problème, c'est qu'il y a les lieux de culte. Après, il y a eu une laïe, donc on ne peut pas abattre comme ça, prendre un mouton comme à l'éveillé époque, etc. Maintenant, c'est le halal, maintenant, il doit être estampillé avec une norme. What next, quoi? Qu'est-ce qu'il va y avoir après? À un moment donné, en tant que musulman, il faut, il faut se réveiller. Il faut se réveiller carrément. Il faut un grand groupe de pression. Il faut se bouger, quoi. Parce que je sais pas. Justement, dans le prolongement de ça, j'ai l'impression qu'ils essayent de nous avoir à mesure. Exactement. Et le problème, c'est qu'on va réagir une première fois, on va réagir une deuxième fois, mais après, à la longue, on va laisser faire. Voilà, les choses vont cesser. L'illusion psychologique. Sans qu'on puisse. Mais ça n'arrivera pas, ça. C'est le système. Parce que le vision est monté avant, vous êtes sur le long terme. Ah, si, ça va arriver. Moi, je pense que ça va arriver. Je ne sais pas si le but c'est faire en sorte qu'on descende tous au bled, que ça les arrange. Mais le problème c'est qu'ils vont récupérer les migrants derrière, donc ils reviennent juste sans faire offense aux migrants. Le souci c'est ça, c'est quelle action on doit mener par rapport à ça pour concrètement, nous comment on peut agir pour faire en sorte que cette norme ne passe pas et qu'on puisse avoir la main au niveau de notre conception du halal. Alors, quelle action concrète, justement ? Yannick, du coup, ça rend vraiment ça. Juste une question, hormis l'UFCM, l'association consommateurs musulmans, est-ce qu'on a d'autres acteurs qui ont fait une publication pour condamner cette norme ? Je parle juste de la mosquée de Paris, CFCM. Est-ce qu'ils vont entamer des actions aussi ? Ou c'est simplement en fait un communiqué, un écrit, et ça s'arrêtera là ? Parce que pour l'instant, de ce que j'ai compris, à part Sitcom qui a fait une com, où ils peuvent accompagner pour ça, il n'y a que l'UFCM qui va apporter quelque chose. Donc la question c'est, est-ce qu'il y a d'autres organismes, d'autres acteurs, parmi ceux qui ont fait des communiqués, qui vont accompagner l'UFCM pour condamner cette norme. Ouais, est-ce qu'ils vont entamer des actions, je ne sais pas d'informations. Non, la Sitcom est très active. Elle est très active au niveau des relais institutionnels, elle fait un travail, ça.
nous, on va faire un travail au niveau juridique, on va continuer. Et après, il y a les autres qui font un travail qui est beaucoup plus discret. Nous, on n'est pas dans les rouages du CLCM, mais je sais qu'au niveau du CLCM, il y a des discussions avec les ministères et qui se poursuivent. Non, mais il y a des choses qui se font. Après, il ne faut pas... On n'est pas tous dans la même position. Il y a des gens qui ont des positions de principe, oui, c'est pas normal, mais bon, voilà. Mais ce sera pas. Il y a des gens qui sont prêts, qui lâcheront rien, etc. D'autres sont prêts à lâcher. On n'est pas tous dans la même position, il faut pas... C'est la diversité aussi. Mais, et ça, c'est une évidence. Mais on n'est pas les seuls à bouger. Il y a des certifications qui ont bougé, la SICOM qui bouge beaucoup, etc. Donc on n'est pas tout seul, on est loin d'être seul. Mais le problème, c'est que là, la divergence, elle disait si bien, même au niveau des sciences. Mais là, on ne doit plus parler des divergences, tu vois ce que je veux dire. Là, non, il y a un but commun, c'est de combattre, entre guillemets, pas l'idéologie, mais c'est-à-dire une norme imposée au détriment de la communauté musulmane. Donc là, c'est unité, quoi. C'est, non, mais il y a une unité de principe qui a été faite, c'est déjà énorme. Il ne faut pas aller de l'anarchie totale à être une armée qui doit se mettre au garde à vous, ça. Déjà, c'est unique. Ça, moi, depuis 25 ans, je n'ai jamais vu toutes les organisations musulmanes se mettre d'accord sur un sujet. C'est impressionnant. Bon, moi, j'étais impressionné quand j'ai vu ça. Quand j'ai dit, ouais, c'est historique. Même si c'est pas historique, tout le monde se mette d'accord. Et moi, j'ai pas de crainte par rapport à soit la FNOR ou le CEN. Le CEN, c'est la FNOR au niveau européen. J'ai pas de crainte par rapport à ce message-là, il est protégé par Dieu lui-même. Donc, si nous, on peine ou on se fatigue, il y aura d'autres gens qui vont reprendre la relève. Hein. J'ai pas de crainte du tout sur ce sujet-là. Et il faut pas... on n'a pas d'église en islam. On n'a pas d'église. Donc, il n'y a pas une instance qui dit « ça, c'est juste et ça, c'est faux ». On a des savants qui donnent des avis. Point. Mais tout est basé sur la crédibilité. Notre communauté, tout est basé sur la crédibilité. Un savant devient savant pas parce qu'il a un diplôme de telle université. Un savant est savant parce qu'il est considéré comme crédible par la communauté avec le temps. C'est comme ça, tout marche par la crédibilité. Et ça marche avec le temps. Donc, une chose qui est basée sur du vent, hein, qui est basée sur des mensonges, qui est basée sur des manipulations, ça ne dure pas. Même si les médias en font des grands titres, même s'il y a répétition et répétition pour nous tromper, ça ne dure pas. Le mensonge ne dure pas. Donc, je parle du halal. Hein. Donc, c'est la réaction qui est derrière. Voilà. Donc, il n'y a pas de crainte. Il n'y a pas de crainte à avoir. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent parler. Ils peuvent déblatérer. Ils peuvent multiplier dans les médias. Ils peuvent mettre l'État au-dessus. Mais si la communauté ne suit pas, ça tombera. Ça tombera. Il n'y aura rien. Et là, puis après, on posera. À partir de là, nous, on agira. Donc, pas de crainte. Il ne faut pas se laisser emporter par les médias et par les institutions qui commencent à nous faire croire qu'ils vont pouvoir nous imposer quelque chose. Si ce n'est pas crédible au niveau communautaire, ce n'est pas crédible, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Pendant un moment donné, médiatiquement, on demandera la pression que tout passe, que tout a été avalé, etc. Mais ce n'est pas vrai. Et l'histoire le prouve. C'est un message qui est protégé. C'est quand même... Comme c'est il disait tout à l'heure, si cette norme elle passe. Il y avait une sœur, je pense que ça va intervenir. Désolé. Moi, il y a trois points que je commence par la dernière, c'est-à-dire l'action. L'action, pour moi, il faut que ceux qui ont signé la charte, qui descendent dans leur prêche, parler du problème. Et en parlant du problème, parler de l'éthique et rappel du comportement du musulman. C'est-à-dire il faut que les gens descendent vers la communauté, à faire un travail dans la rue, dans les marchés, dans les mosquées, les prêches. Il faut qu'il y ait ce travail-là, ce n'est pas uniquement au niveau des élites ou des intellectuels. Donc il faut que la problématique... Il faut parler. Plus on parle, plus on va récolter des gens et une certaine conscience, parce qu'à la suite, on va parler aussi de l'éthique du monde, du musulman, pas uniquement au niveau le vrai halal. Le halal, c'est le comportement, et tout, la nature, les êtres humains, revenir à l'essentiel. En même temps, quand on parlera de ça, on va parler à l'essentiel. C'est vrai. Et le premier point que vous
vous avez parlé tout à l'heure, la communauté consommatrice, ben, toutes les commentaires, je suis désolée, nous sommes en période de Noël, on voit la consommation. Donc ce n'est pas uniquement musulman. La consommation, c'est la civilisation actuelle, c'est le monde moderne, entre guillemets. Voilà, bien qu'il y ait une tendance bio et tout ça, mais même le bio, il est entre guillemets. Donc, mais c'est, quand je dis ça, c'est pas pour négliger le travail qui est en train de se faire, mais ce sont des initiatives. Mais il faut démocratiser, vulgariser ce discours quand vient de parler. Donc, je répète ce que tu as dit, c'est faire un travail de terrain, en fait, et vulgariser. Ce message, c'est ça. C'est pas un travail d'élite, c'est pas un travail de représentation de communautaire, c'est un travail du terrain, qui se fait dans les mosquées, ouais, dans la rue, tout ça, non, c'est vrai. C'est notre grande faiblesse. Bah, il nous reste 5 minutes, on va faire très rapidement. Moi je suis ouais, d'accord, surtout avec ma voisine, juste une petite illustration sur le monde de la consommation, et c'est vrai que cette boulimie n'est pas propre à notre communauté. Dans un autre contexte, on essayait de lister un petit peu toutes les raisons qui nous amenaient à manger actuellement, à notre époque. C'était incroyable comme toutes les raisons qui nous poussent à manger maintenant, elles sont de très loin une raison qui est pour calmer la faim. On ne mange plus pour la faim, ça n'existe plus. On mange pour plein de raisons. On essaie de réfléchir un peu, on distingue, mais c'est marrant de voir un peu, de se poser pourquoi on mange. On mange parce que je suis énervée. Je mange parce que je dois prendre un médicament. Je mange parce que tout à l'heure je vais avoir faim. On dit aux enfants, mange parce que tout à l'heure tu vas avoir faim. Et puis, plein de raisons comme ça, aberrantes. Donc ce n'est pas le propre de notre communauté, c'est vraiment un problème de société qui fait que maintenant, ben, il faut consommer. Puis on sait pourquoi maintenant il faut consommer. Sur la question de l'action maintenant, et c'est vrai que c'est là, je pense que c'est une réflexion qu'on doit mener concrètement, autant je pense qu'il faut être sur tous les fronts, et le juridique, je pense que c'est important, et laissons aux spécialistes saisir de la question juridique. Les imams aussi, comme le disait ma voisine, effectivement, ils doivent un petit peu faire réfléchir la communauté sur ce rapport à la nourriture, hein, de manière plus globale. Hassan el-Basri disait, la foi n'habite pas un estomac plein. Le prophète aussi, sallallahu alayhi wa sallam, elle nous donne des recommandations, il nous dit comment il faut manger. Et nous, on mange jusqu'à ce qu'on... Tant qu'on n'a pas mal, l'estomac ne tire pas comme ça, on n'a pas bien. C'est la loi des trois tiers. Je veux dire, un tiers pour l'œuf, un tiers pour l'air, un tiers pour l'air. Il y a ce petit tiers, justement, qu'on doit laisser, justement, parce qu'il doit être habité par autre chose, par la spiritualité. La question des actions, donc il y a le juridique, il y a effectivement les imams, etc. Et puis surtout, moi je me dis, et il y a moi aussi, je veux dire, en tant que citoyen française, il y a moi en tant que musulmane, moi je pense qu'il y a un rôle, j'ai un rôle à jouer. Peu importe où est-ce qu'il ira, je pense qu'il y a un bon sens à avoir. Il y a quelque chose on doit se saisir quand même du pouvoir qu'on a, et on n'en a pas conscience du pouvoir qu'on a dans la transmission déjà du message. Et la responsabilité, sûr. Bien sûr, mais déjà, alors, la responsabilité dans le fait de ne pas transmettre le message, ça c'est une responsabilité. Après, ça ira où ça ira. Mais il n'empêche que là, je pense qu'il y a à faire, et chacun doit faire, parce que je pense qu'il n'y a pas pire que de ne rien faire. Il n'y a pas pire que de ne rien faire. Et faire, alors, c'est une réflexion que nous avons menée au sein du FCM par rapport aux actions. Et je crois que parler aux musulmans, c'est bien dans les mosquées, mais parler aussi aux musulmans là où ils consomment. Ça, c'est aussi important. Et on doit aller à la rencontre du musulman là où ils consomment. Et là, nous devons, je pense, réfléchir pour nous organiser et aller sur le lieu où ils vont acheter. Et moi, je me suis amusée quand même, quand de temps en temps, je vais à Carrefour. Eh bien, c'est vrai que les gens sont quand même attentifs. Et au rayon du halal, souvent je me balade et tout, c'est vrai que les rayons sont de plus en plus grands. Il y a même le surgelé maintenant, il y a l'éco-économique halal, il y a le rayon halal, mais enfin il y a toutes les diversités de rayons qui sont concernées par cette question du halal. Eh bien, il y a pas mal de gens, je discute, ils sont intéressés. Hein. Puis il y a un ras-le-bol, quand j'entends, je ne sais plus quoi choisir, on ne sait plus quoi faire.
On ne sait plus quoi faire. Je me dis, bon sang, c'est une perche qui nous est tendue. Moi, en tant que musulmane, je me dis, c'est une perche qui m'est tendue si je réfléchissais, si on s'organisait pour aller les voir dans les magasins déjà. Eh bien, je suis sûre que ça peut faire bouger des lignes. C'est sûr. Et en tous les cas, moi, en tant que musulmane, je répète, et je dis, eh bien, j'aurais fait mon devoir. Voilà. Et chacun le fait à son niveau. Et chacun le fait à son niveau, de toute façon. Et si on s'organisait pour le faire et faire des sorties comme ça dans les magasins, eh bien, je pense qu'on aura réussi quelque chose. Sensibiliser la famille. C'est nos enfants. Donc, il faut en parler avec les enfants depuis qu'ils sont petits, leur inciter dans les... ils sont là-bas. Qui ne ramène pas ses enfants dans les associations, les mosquées, eh ben, dans l'éthique, dans l'éducation islamique, ça, ça fait partie du halal. L'avenir, c'est notre enfant. Donc il y a un travail à mener sur plusieurs niveaux, on va dire. Inch'Allah. Avec le psycho. Donc on va clore, Inch'Allah. On descend un dernier mot aux intervenants. Juste avant, je vous annonce que dans deux semaines, donc toujours ici, dans. C'est toujours dans les locaux de l'UFCM. Donc on aura une soirée sur la Palestine, quelle contribution aujourd'hui, avec Christophe Oberlin, donc qui est chirurgien, qui a déjà fait plusieurs séjours en Palestine occupée, et Jérôme Fennel, qui est membre du collectif 69 de soutien au peuple palestinien. Donc ça va se dérouler ici le mercredi 22 novembre à 18h30. Voilà, donc ça sera... le même principe, je pense, hein, sous forme de débat. Il y aura un buffet, je pense, également. Et l'entrée est libre. Voilà. Donc, alors, ça sera pas ou pas? Ça sera pas là, bien sûr. Et on vous tient au courant, donc, si pour les actions à venir. Hein, donc, il y a plusieurs pistes qui ont été évoquées. Si vous êtes membre, je m'adresse également à ceux qui nous regardent, si vous êtes membre d'une mosquée, d'une association, vous voulez vous joindre à nous pour organiser un partenariat, une conférence, si vous voulez nous inviter, nous, l'UFCM, pour tenir un stand, par exemple, on a plusieurs dépliants tracts qui existent pour avertir par rapport à l'électronarcose, sur la consommation de viande, etc. On est disponible pour venir, pour discuter avec les frères et sœurs de votre lieu de culte, de votre mosquée ou autre. Voilà, donc n'hésitez pas à nous joindre, Inch'Allah. Voilà. C'est bien. Ouais, c'est exactement ce que vous voulez dire. Par rapport à la question des alternatives, il y a un projet qui est assez proche d'ici, qui est le Mekong. Et au départ, on parlait justement il y a deux visions, grosso modo, de Halal. Une qui était plus portée sur l'éthique et une qui était plus portée sur qui se limitait aux dimensions technico-juridiques. L'île aux décombres, justement, c'est au départ une vision des choses, en fait. C'est une vision des choses qui est complètement universelle, quoi, justement, et qui permet de dépasser tous les clivages. Et donc, en termes d'alternatives, c'est vrai que voilà, c'est de l'agroécologie, c'est de la permaculture, il y a un certain rapport à la nature, etc. C'est sûr que c'est pas à proprement parler lié au halal, vraiment juste la viande, mais c'est. Une vision transversale, sociétale, quelque chose de beaucoup plus large que ce qu'on a l'habitude de voir. Quoi. Non, moi je vais simplement dire, c'est que, vous savez, quand on pose la question du halal, si elle est centrale, c'est parce qu'elle débouche sur d'autres questions. Et l'objectif, c'est ça, c'est poser la question du sens, poser la question du monde, comment il est géré actuellement, poser la question. C'est ça la finalité. La finalité, c'est la conscience. Tout est dans la conscience. Quand on est conscient, automatiquement, on agit. Automatiquement. Ça n'existe pas des gens conscients qui n'agissent pas. C'est pas vrai. S'ils n'agissent pas, c'est que leur conscience n'est pas profonde. C'est une conscience superficielle, hein, qui est uniquement qui n'a pas encore. Un être conscient agit automatiquement. C'est le début de la conscience. Et il y a pas. Et c'est un sujet qui automatiquement nous font prendre conscience du défi qui est multiple, qui est pas seulement. C'est pas une question de culte, de rite, etc. C'est pas une question seulement de manger. C'est plus que cela. Et quand on est conscient, et ben on voit la réalité. Et quand on voit la réalité, il faut pas être triste. Il ne faut
pas être triste parce qu'Allah est avec nous. Et quand Allah est avec nous, il n'y a pas de problème. Il faut pas noircir ce qui est déjà pas terrible. Il faut se dire, il faut pas que la prise de conscience nous amène vers le défaitisme. C'est un vrai problème. C'est pour ça que la prise de conscience, elle est spirituelle. Elle s'allie avec la confiance en Dieu. S'il n'y a pas la confiance en Dieu, s'il n'y a pas cette certitude qu'on a dans notre corps, la prise de conscience, les gens ont fini par le suicide, hein, pour certains. Vous avez certains philosophes, ils ont fini par un suicide. Ils ont pris conscience, ils disent « Oh, mais il n'y a rien à faire. Alors, j'arrête. Je descends du train. » Donc, en islam, non, la prise de conscience, elle est alliée à une profonde spiritualité qui fait qu'on a une confiance. On a une confiance et un yakin vis-à-vis de Dieu. On sait pourquoi Dieu a fait tout ça et on sait qu'il y a des finalités, on sait qu'il y a un sens. Et ça, ça nous rend joyeux. C'est-à-dire qu'on est conscient et joyeux, on n'est pas triste. C'est-à-dire dans l'épreuve, alhamdoulilah, et on avance. Donc, on fait quoi ? Donc on va clore sur ces paroles. Voilà, que le film coule de votre présence. Alors ça ne se termine pas, Inch'Allah, on peut se retrouver à côté pour la buvette et manger un petit peu. On va terminer par une dora, Inch'Allah, Rachid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك اللهم اغفر لنا وارحمنا برحمتك الواسعة اللهم ارزقنا حلال اللهم ارزقنا بحلالك يا رب العالمين اللهم ارزقنا بحلالك يا رب العالمين حلالا طيبا يا رب العالمين اللهم اجعلنا من الطيبين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين